Bonjour les amis, je suis très heureuse de démarrer cette deuxième session de BioLens Learning. Et donc on remercie les laboratoires BioLens pour avoir sponsorisé ces manifestations. Je remercie également tous les orateurs qui ont accepté de participer avec moi à cette session. Madame le professeur Bouchrifa, le professeur Hajib Tissem, Nadia Korchen de Tunisie, professeur Daoudi Raja, le docteur Zafad Lhassan. Et docteur Zouheri, merci aussi au professeur Sersour et au docteur Vilkiren pour avoir accepté de modérer cette session. Et je passe directement la parole à nos modérateurs pour démarrer cette session. Mes chers confrères, mes chers amis, bonjour. Oui, Hasna. Allez, vas-y. Cette pandémie du Covid que nous vivons actuellement... développer ce nouveau système d'enseignement à distance, qui est le webinar. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cette table ronde virtuelle en compagnie de mon ami professeur Sersour, qui va porter essentiellement sur l'hypermétropie, qui est un sujet actuellement qui pose quelques soucis en ophtalmologie, que ce soit en consultation ou en chirurgie. Et je cède la parole directement à madame professeur Bouchrifa de Rabat, qui va nous parler de la réfraction de l'hypermétropie. Bonjour tout le monde. Je remercie tout d'abord les organisateurs de ce webinaire et à travers eux, Madame la Mali Hassna. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire par la réfraction de l'hypermétropie. Alors, dans un œil hypermétrope, l'image se forme en arrière de la rétine. Donc, en l'absence d'accommodation compensatrice. Donc, c'est un système qui c'est convergent. Soit c'est parce qu'il s'agit d'un œil qui est trop court dans son axe antérieur, il s'agit alors d'une hypermétropie axile, soit c'est un œil qui a un pouvoir dioptrique insuffisant, il s'agit d'une hypermétropie de puissance. Alors, contrairement à la myopie, l'hypermétropie a un système de compensation, c'est-à-dire que l'accommodation va être sollicitée et de loin et de près pour mettre en point cette image sur la rétine, et en particulier chez l'enfant jeune.
Donc, ceci explique pour faire la réfraction chez l'hypermétrope, il faut avoir recours à des choses qui vont lever ce spasme accommodatif, voire même faire une cycloplégie. Alors, tout d'abord, je vais rappeler qu'est-ce que c'est l'hypermétropie. Donc, l'hypermétropie totale. Et donc, est composée de l'hypermétropie obligatoire qui doit être corrigée pour permettre à la, pour arriver à une acuité visuelle de 10 dixièmes. Alors, donc, c'est une hypermétropie, cette hypermétropie obligatoire. Cette hypermétropie obligatoire, il n'est pas compensée par la condition et ses valeurs augmentent avec l'âge par diminution des capacités accommodatives. Il y a l'hypermétropie mixte qui est mise en évidence par l'examen clinique, en particulier par les cycloplégies. Et l'hypermétropie donc facultatif, c'est la différence entre les deux, hypermétropie manifeste et hypermétropie obligatoire. Il persiste cette hypermétropie non décelée par l'examen clinique et la CDJ, qui est représentée par l'hypermétropie latente. Alors, un petit rappel sur l'accommodation, puisqu'il est, il est au centre de cette présentation. L'accommodation, c'est la capacité pour l'œil de voir net les images situées entre le ponctum remotum et le ponctum proximum. Donc, c'est un phénomène réflexe qui fait intervenir la contraction du muscle ciliaire et l'augmentation du pouvoir cristallinien. Donc, le ponctum remotum est défini par le plus éloigné que l'œil peut voir net tout en étant au repos. Alors, ce point, ce ponctum remotum, il est à l'hypermétrope et il est virtuel pour l'hypermétrope. Le ponctum proximum, c'est le point le plus rapproché que le patient peut voir clair tout en accommodant au maximum. Alors, il est donc ce point, ce ponctum proximum, s'éloigne avec l'âge, donc il est à 7 cm chez l'enfant, il devient 14 cm à 30 cm à 40 ans. Alors pour l'hypermétrope, ce ponctum proximum, il est plus éloigné que normalement. Le pouvoir accommodatif ou l'amplitude de l'accommodation, comme vous voyez sur ce tableau, il est très important, il est accru donc chez l'enfant, donc, et il va en diminuant avec l'âge. Donc, ceci a pour corollaire chez l'enfant et l'adulte jeune pour neutraliser cette accommodation, on est obligé de passer par la cycloplégie. Alors, quelle est la prévalence de l'hypermétropie? Donc, il faut savoir que l'hypermétropie est présente dès la naissance et qu'il va diminuer avec l'âge grâce au processus d'hémétropisation. Et vous avez ici un tableau où figurent les valeurs moyennes de la sphère en fonction de l'âge au cours des deux premières années. Donc, vous voyez qu'il y a une hypermétropie qui est là, donc on peut retrouver lorsqu'on fait un examen systématique chez. Alors, contrairement à la myopie, la prévalence de l'hypermétropie reste stable dans le temps, mais il se dévoile à partir de 40 ans, donc une fois que le pouvoir accommodatif diminue. Donc, cette prévalence serait de 13,2 à 6 ans, de 5% à 12 ans. Et une hypermétropie supérieure à 3 dioptries est retrouvée chez 3,6 ans chez les plus de 20 ans. Alors, sur le plan de la classification, on distingue les hypermétropies faibles, inférieures à 1,75, qui sont en général asymptomatiques de l'enfant grâce à cette réserve accommodative. Les hypermétropies modérées, entre 2 et 3,25, où l'accommodation est constamment sollicitée et ça peut entraîner des signes fonctionnels chez ces patients-là. Les fortes hypermétropies, donc au-delà de 3,5, là, il y a le risque de strabismes. On met à part les fortes hypermétropies génitales pathologiques, qui sont définies par une hypermétropie qui dépasse les 7 dioptries et une longue axiale qui est de moins de 100 standard par rapport à l'âge. Lorsque cette hypermétropie est au-delà de 10 dioptries, on se retrouve dans le créneau des microphtalmies ou des nanophtalmies. Le pronostic de cette forte hypermétropie congénitale
Il est lié à l'importance de la myotropie et la précocité de son optique du traitement de l'amblyopie. Alors, si on les prend en charge précocement, en général, ils récupèrent des 10 dixièmes d'acuité visuelle. Mais le pronostic est aussi lié aux anomalies associées qui nécessitent des examens dans ces cas-là, des anomalies papulo-rétiniennes, les plis, les hypoplasies, les anomalies maculaires, les papilles saillantes. Donc là, il faut faire des explorations dans ces cas-là. Et aussi le pronostic aux complications évolutives, en l'occurrence le glaucome partiel de l'homme et des rétines exudatives, voire effusion uvéale. Les hypermétropies acquises donc, se distinguent des précédentes. On a les hypermétropies qui sont acquises pendantes de la réfraction, sont liées aux problèmes maculaires, épaississement édémateux, soulèvement, compression. Et il faut savoir qu'une dioptrie d'hypermétropie correspond à un raccourcissement de l'angle axial de 0,35 à 0,4 mm. Dans les hypermétropies acquises en classe aussi les AFAC, donc pour une longueur axiale moyenne, ça correspond à une hypermétropie de 12 à 13 dioptries en coaxiant lunette. Et il y a les hypermétropies secondaires, une chirurgie réfractive, en l'occurrence cornéenne. Alors, quelles sont les circonstances de découverte de l'hypermétropie? Donc, elles sont très variées. Comme on a dit, les faibles hypermétropies sont asymptomatiques, peuvent être révélées par un examen systématique dans le cadre du dépistage. Le plus souvent, chez les jeunes, une asthénopie de fixation se manifeste par des signes fonctionnels qui sont très variés, qui peuvent orienter vers une conjonctivite allergique ou syndrome sec. Ce sont des douleurs oculaires, irritation conjonctivale, rougeur, picotement, voire des difficultés à la concentration sur écran. Le signe le plus fréquent, sont les céphalées qui sont induites par l'accommodation permanente. Donc, ce sont des céphalées qui se manifestent en fin de journée, le plus souvent orbitaires, bilatérales. Chez l'enfant, on a la fréquence des strabismes à part accommodative, pure ou partielle. Il y a sur le plan visuel, on peut voir des flous visuels, notamment en vision de près. La baisse de l'acuité visuelle est retrouvée chez les forts hypermétropes et à partir de 40 ans, lorsqu'on a une diminution des capacités accommodatives qui se manifeste par une presbytie précoce. Il y a d'autres signes comme les chalazions à répétition et autres. Alors, quelles sont maintenant les réfractions de l'hypermétrope? Donc, ce sont les mêmes qu'une réfraction classique, mais avec des particularités liées à cet aspect accommodatif. Donc, à savoir la détermination de la visuelle brute avec la règle de Swain, la réfraction objective, la réfraction subjective en monoculaire et en binoculaire. Alors, pour ce qui est de la détermination de l'acuité visuelle brute, donc sans correction à l'échelle, l'échelle d'acuité visuelle, l'estimation de la sphère par la règle de Swain, selon la forme d'acuité visuelle en décimale égale 0,25 sur amétropie ou amétropie égale 0,25 sur acuité visuelle, ce n'est pas applicable pas pour l'hypermétrope. Donc, on peut trouver une acuité visuelle 10 dixièmes, voire plus, chez un patient qui a une hypermétropie grâce à cette compensation accommodative. C'est-à-dire que, en l'absence d'hypermétropie obligatoire, le patient voit net de loin et de près, par compensation, ceci se voit chez le sujet jeune et en cas d'hypermétropie minime. Avec l'âge, le pouvoir accommodatif diminue et on assiste à une baisse de l'acuité visuelle d'abord de près, c'est la presbytie précoce, puis de près et de loin. Les fortes hypermétropes, là, ça se manifeste par une baisse d'acuité visuelle. Et donc, on a une hypermétropie obligatoire qu'il faut corriger pour ramener l'acuité visuelle à 10 dixièmes. Alors, pour ce qui est de la réfraction objective et l'utilisation des réfractomètres, donc, qui vont nous donner la optique théorique sphérocylindrique, là aussi, chez l'hypermétrope, elle est biaisée puisque la machine induit un spasme accommodatif en l'absence de cycloplégie. Et donc, on va avoir une sous-estimation de l'hypermétropie.
Donc, la même chose chez l'enfant, donc le rétino, la réfraction portable. Donc, il faut faire des cycloplégies chez l'enfant. Ce réfractomètre portable, donc, il est-il en cas de, chez l'enfant, en anormaux rapide, comme dans le cas de nystagmus, et chez les infanteurs et les patients allongés. Alors, la réfraction subjective, donc, les particularités, donc, la réfraction subjective, c'est oculaire et en binoculaire. Donc, comme toute réfraction, on va partir de la mise au point de la sphère, l'axe, puis la puissance du cylindre. Donc, on va, au niveau des lunettes, on va ajuster à partir de la formule sphéro-cylindrique obtenue par la réfraction automobile. Et on va, par la détermination de la sphère la plus convexe, qui va donner la meilleure visuelle, et on va s'aider de la règle de, surtout de la méthode de brouillard et de test du cran. Ensuite, quand on astigmatise, vérification d'abord de l'axe et de la puissance en faisant appel au cylindre croisé de Janssen, et après, ajustage final de la sphère. Bien sûr, il ne faut pas oublier la vérification de la vision en binoculaire, notamment lorsqu'on a des problèmes oculomoteurs et de donc l'affinement de la sphère doit se faire aussi en bino, et on peut recourir à des tests explorant la binocularité, voire à des bilans orthoptiques dans certains cas. Alors la méthode de brouillage donc a pour objectif de lever le spasme accommodatif en myopisant le sujet par addition d'une sphère convexe. Donc on va partir de la sphère obtenue par le réfractomètre automatique, on va faire une addition, on va ajouter une sphère positive de plus 1,25 à 2 qui va permettre de rapidité visuelle chez le patient à 2 dixièmes. Donc, on prépare la ligne de 3 dixièmes. Alors, si le patient continue à voir la ligne de 3 dixièmes, on va encore rebrouiller d'une appareil plus 1 jusqu'à ce que cette ligne de 3 dixièmes ait vu flou. À ce moment-là, on va revenir à 2 dixièmes et on va le faire lire. Et on va procéder à un débrouillage progressif par un palier de moins 0,25 tout en observant l'acuité visuelle jusqu'à l'obtention de l'acuité visuelle maximale. Donc, à ce moment, on va arrêter le débrouillage et ça va correspondre à la sphère la plus convexe qui donne la meilleure acuité visuelle. Le deuxième test qui est intéressant là, c'est le test vert rouge, donc qui est basé sur l'aberration chromatique de l'œil. En effet, l'hypermétrope voit plus noir et plus contrasté dans le vert, contrairement au myope qui voit plus clair et plus contrasté rouge. Alors, ce test peut être réalisé soit de façon simple, donc pour affiner le fer mise au point, ou bien couplé au test de débrouillage, c'est-à-dire brouillé par une addition de plus 1,50 à la sphère mise au point par le brouillard. Et le patient va fixer les optotypes sur le tableau rouge vert. Il est préférable de lui présenter les optotypes des lignes 2, 3 ou 4 dixièmes, pas les tout pour ne pas solliciter l'accommodation. Et on va débrouiller de façon progressive les paliers de moins 0,25 jusqu'à égalité de la vision sur l'écran rouge et sur l'écran vert. Donc, ça va correspondre à ce moment-là à la sphère qu'il faut prescrire. Parfois, on n'arrive pas à cette égalité, c'est-à-dire que on n'arrive pas à obtenir cette égalité de vision sur le fond bleu, sur le fond rouge et sur vert, et obtenir comme valeur la sphère qui donne la meilleure acuité visuelle va correspondre à l'hypermétropie. À la première sphère dans le vert, c'est-à-dire, donc là on était en train de débrouiller parce qu'on l'a myopisé en ajoutant une sphère positive. Donc arrivé à certains moments, donc il voit mieux dans le rouge. Arrivé à certains moments, il nous dit qu'il est mieux sur le vert. Donc à ce moment-là, cette première sphère vue dans le vert qui va correspondre à la sphère donne la meilleure acuité visuelle. Alors, la réfraction, en cas de doute, il faut avoir recours à la réfraction subjective sous cycloplégique, donc notamment chez les sujets jeunes,
Donc, bien que les méthodes de brouillard et le test rouge-vert sont obligatoires, mais parfois ils sont insuffisants parce que l'accommodation persiste jusqu'à l'âge de 50 ans et l'hypermétropie obligatoire n'est pas systématiquement due avec l'hypermétropie manifeste. Alors, chez l'enfant, on ne discute pas. Faction doit être faite sous cycloplégie. Sinon, on va avoir des valeurs erronées. Alors, cette réfraction sous cycloplégique, donc valeur variation et l'espace de l'accommodation, il va permettre une étude objective et subjective de la réfraction. Et donc, permettre une correction optique, prescription d'une correction optique adaptée. Donc, chez l'enfant, il est obligatoire, comme on a dit, en particulier donc, dans le cas des dérèglements moteurs et dans les amphis. Alors, les cycloplégiques qui sont à notre disposition présentés par l'atropine, qui est le cycloplégique de référence à des concentrations 0,3, 0,5 et 1% adaptées à l'âge d'enfant, à raison d'une goutte fois deux par jour pendant 4 à 10 jours. Il faut bien expliquer et mentionner sur l'ordonnance les risques de ce colir, qui peuvent être locaux liés à une réaction allergique imposant l'interruption du traitement, risques généraux sur dosage, donc, on préconise lors de l'instillation de comprimer le colis pour diminuer le passage systémique. L'intoxication par l'atropine peut être mortelle, donc le flacon doit être mis à l'abri du fond. Là, tout ça doit être mentionné sur l'ordonnance pour éviter ces risques mortels. Alors, l'inconvénient de l'atropine, c'est que le patient garde une mydriase et il est gêné en vision de près, même à l'arrêt de l'atropine, 8 à 15 jours après. Donc, il n'est pas prêt de façon répétée donc chez le jeune et en période de scolarité. Le deuxième, le cyclopentolate, donc c'est aussi un bon cycloplégique, mais son efficacité est liée au respect du protocole, c'est-à-dire on va mettre une goutte 0, T5 à 10 minutes. La réfraction est effectuée 45 à 60 minutes après la première goutte. Donc, l'avantage, c'est que son effet disparaît en quelques heures, 4 à 8 heures. Donc, on peut le répéter, faire des réfractions répétées sous ce collier. Donc, en contre-indication, on a les encéphalopathies et les crises épileptiques. Le midriaticum a aussi une action cycloplégique, mais beaucoup moindre que l'atropine et le cyclopentolate. Mais vu que dans notre contexte marocain, on n'a pas l'atropine sur place, on n'a pas le cyclopentolate sur place, il vaut mieux faire une réfraction sous midriaticum que de, notamment chez l'enfant, dans un premier temps, en attendant d'avoir le collier adapté pour avoir une réfraction erronée, en particulier chez l'enfant. Alors, une fois que la sphère est mise au point, donc on va passer à la mise au point du cylindre. Donc souvent, on a hypermétropie associée à un astigmatisme. Donc on va toujours sur un œil proche de son activité visuelle, on va après avoir mise au point la sphère, on va retenir la réfraction cylindrique estimée par le réfractomètre automatique. On va procéder à la mise au point de l'axe en utilisant l'axe de la manche de cylindre croisé de Johnson, puis la puissance en utilisant les axes des signes plus et moins de cylindre croisé de Johnson. Donc, une fois le cylindre est mis au point, il faut ajuster la sphère finale, la sphère finale, c'est-à-dire que tout changement du cylindre de 0,5 dioptrie correspond à une équivalence 0,25, donc rajouter ou enlever à la puissance de la sphère. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai diminué mon astigmatisme de moins 0,50, donc à la sphère, je vais rajouter moins 0,25. L'équivalence sphérique de moins 0,50 et moins 0,25, donc je vais la rajouter à ma réfraction sphérique. Alors, qu'en est-il de la hypermétrope? Juste une diapo. Donc, un patient normal, enfant ou adulte, asymptomatique, il n'est pas nécessaire de corriger les faibles hypermétropies. Alors, la correction sous cycloplégie s'impose en cas de strabisme, nystagmus ou amblyopie, ça c'est la correction optique totale.
chez les enfants, lorsqu'on a une hypermétropie au-delà, supérieure ou égale à 3,5 à 4 dioptries, sans antécédents personnels ou familiaux, il faut corriger. Les enfants qui ont une hypermétropie supérieure ou égale à 3 dioptries avec des antécédents familiaux de focule moteur ou d'homéopie, il faut corriger. Alors, se pose le problème, donc, la correction de l'hypermétropie chez le grand enfant en âge scolaire et chez l'adulte jeune. Le fait que cette correction optique totale risque de brouiller la vision de loin, donc on peut prescrire en une ou plusieurs fois, on peut s'aider de collyre cycloplégique une courte durée. Alors, les sous-corrections optiques chez les enfants qui n'ont pas de troubles oculomoteurs, donc chez les patients en général qui n'ont pas de troubles oculomoteurs, pas d'amblyopie, là, il n'y a pas de consensus. Nous allons voir quelques cas cliniques. Nous avons ici une jeune de 22 ans, étudiante, qui est conçue pour des céphalées en fin de journée, difficultés de concentration et fatigue visuelle. L'acuité visuelle sans correction, 10 dixièmes, œil droit égal à œil gauche, c'est une patiente qui n'a jamais été corrigée. Ophtalmologique et le bilan senseur sont particularités. On fait la réfraction sous cycloplégique, plus 4 à droite et plus 5 à gauche. Donc, on a l'explication à ces céphalées en fin de journée, malgré cette acuité visuelle trouvée qui est correcte, 10 dixièmes sans problème. Donc, la conduite à tenir, donc, en prescription de la correction optique, on a sous-corrigé parce qu'il va y avoir des problèmes de tolérance. Donc, il a 22 ans. Probablement, on va augmenter par la suite. La patiente est avisée. Donc là, 10 dixièmes chez un jeune ne veut rien dire. 10 dixièmes avec des signes fonctionnels. Il faut faire une cycloplégie. Là, c'est un enfant âgé de 6 ans, donc sans antécédents, sans signes fonctionnels, qui consulte pour un examen ophtalmologique de dépistage. Absence de strabisme, et là, à notre surprise, une réfraction faite sous cycloplégie, on trouve une forte hypermétropie. Donc là, ça peut être donc un examen systématique. Donc, comme corollaire, on réalise un examen systématique chez un enfant, il faut passer par la cycloplégie avant de conclure que l'enfant n'a pas de vision. Alors, un autre exemple, fillette de 5 ans qui consulte pour un strabisme convergent intermittent depuis 3 mois. Son acuité visuelle, 10 dixièmes à droite, 9 dixièmes à gauche. Réfraction sous sciacole, 4 à droite, 5 à gauche. Ah, on est obligé de passer par la correction optique totale, donc régulièrement contrôlée pour régler ce problème de zootropie qui est lié à son hypermétropie. Et là, avec correction optique, il a une isoacuité, il est ortho, donc on a une vision binoculaire. Donc c'est un strabisme accommodatif pur lié à cette convergence accommodative, un excès de convergence accommodative qui accompagne l'accommodation. Alors, un autre exemple, donc enfant trisomique, extrême convergent, réfraction sous atropine plus 1,25 des deux côtés, correction optique totale qui permet de redresser les yeux. Donc là, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une corrélation vraiment entre l'importance de l'hypermétropie, donc plus 1,25, c'est pour nous, c'est rien du tout, et ça permet de redresser les yeux de cette petite, et le strabisme. Donc, quelle que soit la valeur trouvée sous cycloplégie chez un enfant strabique, il faut la... Donc, là, c'est un enfant que je viens de voir dernièrement. Donc, vous voyez, actuellement, je reçois tous avec les masques. Je leur demande pourquoi vous portez le masque. Ils me disent qu'il y a un risque de corona. Il y a même un enfant chez qui on était en train d'évaluer son acuité visuelle. Et lorsqu'on lui a présenté la photo du soleil, je lui ai dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Il m'a dit « corona ». Donc, il a confondu soleil et corona. Alors là, c'est un enfant qui est suivi depuis l'âge de 2 ans, un convergent accommodatif. Et là, c'est pour vous montrer l'évolution de sa réfraction sur une année. La première réfraction sous cycloplégie, plus 2 à droite, plus 3,50 à gauche. Deuxième réfraction, 6 mois après sous atropine, 3,50 à droite et 5 à gauche.
et 6 mois après sous-atropine, plus 4,50, plus 6. Donc là, c'est pour insister sur la répétition des réfractions sous-cyclopégiques et le port permanent de la coaction optique qui va permettre la libération progressive de l'hypopie latente qui est particulièrement importante à corriger chez ces enfants pour soulager au maximum l'accommodation. Donc, pour soulager l'accommodation, j'ai un son qui me dérange. Et donc, car la coaction maximale chez ces enfants les soulage, va les soulager au maximum. Alors là, c'est une petite pour chalazion. 10 dixièmes d'acuité visuelle, pas de trouble oculomoteur, examen ophtalmologique normal, réfraction skia moins, moins 0,25, moins 0,5, réfraction skia plus, plus 4, plus 4,75. Donc, vous voyez que les enfants ont un pouvoir accommodatif très important et les manifestations, donc les circonstances de découverte de cette hypermétropie sont très variables. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des cycloplégies. Alors là, un exemple, donc une jeune de 3 ans qui consulte pour chalazion à répétition, réfraction sous-cycloplégique plus 4, plus 2, acuité visuelle, amblyopie profonde de l'œil droit, donc amblyopie anisométropique, donc à l'aide de ce chalazion et une réfraction sous-cycloplégique faite à cette occasion-là avec évaluation de la vision, on a trouvé une amblyopie qu'on a rééduquée grâce à correction optique et traitement orthoptique. On a vu par la même occasion son frère, un examen systématique, réfraction sous-cycloplégique plus 4, 10 dixièmes, plus 6,5, 10 dixièmes, donc amblyopie profonde, anisométropique, découverte systématique lors de dépistage. Là aussi, il a été pris en charge pour son amblyopie et pour son hypermétropie. Alors, en conclusion, la réfraction de l'hypermétrope donc, fait appel à la réfraction automatique, aux méthodes de brouillage, tests de Dieuchrome et à la cycloplégie. La correction des faibles et moyennes hypermétropies n'est pas nécessaire en de signes fonctionnels, en de facteurs de risque, en l'occurrence antécédents d'amblyopie, de strabismométropie ou d'anisométropie chez la fratrie ou la famille, et en l'absence de troubles oculomoteurs ou d'amblyopie. Dans les cas contraires, la correction optique totale sous cycloplégique s'impose. Pour les fortes hypermétropies, ils doivent être dépistés et corrigés très tôt pour diminuer le risque d'amblyopie et de strabisme et pour récupérer une acuité visuelle correcte. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la réfraction de l'hypermétropie. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Benchelifa. On va enchaîner et j'invite professeur Ptissem Hadji pour le. Bonjour tout le monde, merci aux organisateurs de m'avoir associé à ce webinaire. Je remercie infiniment professeur Hassan Lamari pour l'invitation. Alors, j'étais chargée pour traiter l'adaptation des petites hypermétropies jusqu'à 3 dioptries en lentilles de contact. Alors, vraiment, j'avoue que j'avais du mal à trouver des chiffres en termes de fréquence d'adaptation des petites hypermétropies par rapport aux chiffres d'une façon générale des hypermétropies par rapport aux myopies. Mais bon, j'essaierai de trouver un compromis pour les petites hypermétropies. Alors, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Quels sont les candidats à cette adaptation? Quels sont les avantages à cette adaptation? Et quels matériaux faut choisir en fonction des indications? Alors, pourquoi choisir l'adaptation des petites hypermétropies? D'abord, on va choisir l'adaptation parce qu'elle va donner un confort visuel à ces malades. Alors, suite à l'exposé de professeur Benchelifa, les petites hypermétropies, il peut s'agir soit d'un enfant, soit d'un adulte jeune,
soit d'un patient qui a la proche ou carrément en début de presbytie. Alors, pour les enfants, il faut écarter l'adaptation pour les enfants petits presbytes. Donc, c'est des enfants qui sont candidats à la correction par lunettes. Donc, pour les petits presbytes, on va traiter soit les sujets jeunes, soit les patients qui sont presbytes, soit proches de la presbytie. Alors, c'est des patients généralement soit qui sont asymptomatiques, soit qui sont céphalalgiques chroniques, des maux de tête inexpliqués, fin de journée. Et un jour, ils sont envoyés par le neurologue pour des céphalées inexpliquées. Allez-y voir l'ophtalmo. Donc, on va faire une consultation. Il voit 10 dixièmes. On va faire une goutte de cyclopentolate. Et on va découvrir, par exemple, une réfraction à plus 3. Donc, ils ne vont pas tolérer la correction lunette. Alors, l'adaptation en lentille, il va leur offrir un confort visuel qui n'a rien à voir avec une correction par lunettes. En plus d'un confort esthétique, donc généralement, c'est des patients ou des patientes qui refusent une correction par des lunettes. Donc certainement, c'est un confort visuel en plus de confort offert par les lunettes et certainement un confort qui est esthétique. On va voir, c'est la correction qui va offrir un repos accommodatif qu'ils vont jamais avoir après une correction par lunettes. On verra aussi que c'est des patients qui vont avoir un report des signes et l'apparition des signes de la presbytie. Alors, la correction de l'hypermétropie, généralement, se fait par des verres qui sont convexes. Alors, aussi, la lentille va être une lentille qui va être convexe. Des mouvements oculaires. Alors, quelqu'un qui est corrigé par des lunettes, l'axe visuel va être différent de l'axe des verres des lunettes lors des mouvements oculaires. Alors, cette différence de croisement des axes va pas être le cas lors de la correction par des lentilles de contact, puisque la lentille va suivre les mouvements oculaires et les mouvements cornéens lors de la motilité oculaire. Donc, il aura une stabilité de la correction lors des différents mouvements oculaires. Un autre point fort de la correction par lentille de contact, c'est l'amélioration des spasmes de convergence et les spasmes accommodatifs. Alors, on a vu, après l'exposé de professeur Benchelifa, un hypermétrope, il va voir un punctum proximum éloigné et de plus en plus éloigné avec son âge. Et après une correction par une lentille de contact, il va avoir un rapprochement de son PP. Donc, l'effort accommodatif, il sera soulagé lors du parcours accommodatif. Et on aura, paradoxalement, ou une surprise, l'hypermétropie, l'attente, va être mise en évidence qui n'a pas été mise en évidence lors de la cycloplégie. Donc, on aura au fur de la correction une augmentation de l'hypermétropie et une diminution de l'hypermétropie latente, donc qui n'a pas été mise auparavant par une cycloplégie. Donc, un soulagement de son spasme accommodatif, donc certainement un confort accommodatif. Et tout ça aura une conséquence sur sa presbytie ou sa pré-presbytie. Donc, l'effet prismatique des verres correcteurs est annulé puisqu'il n'y aura plus de port de verre et une meilleure qualité de vie.
Alors, la lentille de l'hypermétrope. Pour mesurer une lentille de, chez un hypermétrope, on aura affaire à deux paramètres, on a vu ça. La kératométrie, donc différencier l'hypermétropie axiale d'une hypermétropie d'indice, et un diamètre cornéen, surtout pour un microphtalme, c'est pas notre sujet actuellement. Et surtout l'hypermétropie, on va le corriger par une lentille qui est convexe, donc plus épaisse au centre. Donc, il faut surtout favoriser une lentille à transmissibilité à l'oxygène qui est plus importante. Donc, en pratique, comment adapter un hypermétrope? Il faut commencer par l'interrogatoire comme toute adaptation. Il faut commencer par l'âge. Ça sera différent quand on s'adresse à un jeune adolescent, un sujet jeune ou quelqu'un en presbytie. La motivation. Pourquoi elle a choisi l'adaptation? Pourquoi? Est-ce que c'est pour des raisons qui sont professionnelles, pour des motivations de sport? Alors, sa profession, est-ce qu'il travaille dans une ambiance poussiéreuse? Est-ce qu'il est exposé à un chauffage, une climatisation? Alors, même pour son sport, est-ce qu'il y a un risque imminent de perte de lentilles? Alors, l'interrogatoire d'un hypermétrope, est-ce qu'il est céphalalgique? Est-ce qu'il a une asthénopie? Est-ce qu'il a une prise médicamenteuse particulière? Et surtout, un neuroleptique. Pourquoi un neuroleptique? Parce qu'il va entraîner un relâchement musculaire et surtout une asthénopie surtout de convergence. Est-ce qu'il a un terrain allergique, une conjonctivite allergique, un terrain de sécheresse oculaire, un antécédent de strabisme, de chirurgie de strabisme, une chirurgie oculaire, cornéenne, glaucomateuse ou autre, une correction antérieure, surtout d'hypermétropie, ou une adaptation antérieure, soit souple, rigide? Est-ce qu'elle a abandonné une adaptation antérieure et qui sont les causes de l'abandon? Alors, l'examen clinique, d'abord une réfraction sans cycloplégie et avec une cycloplégie. L'examen oculomoteur, un test à l'écran, évaluation de la convergence et chercher est-ce qu'il a une tropie, une phorie. Une kératométrie en millimètres sera notée sur le dossier, éventuellement complétée par une topographie cornéenne si on a suspecté une cornée qui est irrégulière, et l'examen à la lampe à fente. Alors, l'examen à la lampe à fente, c'est très important d'examiner toutes les structures qui auront un contact avec la lentille de contact. Donc, examiner les paupières, les glandes lacrymales, les glandes meibomius, l'examen de la cornée, du limbe, la conjonctive, chercher une conjonctivite, chercher est-ce qu'il n'a pas une conjonctivite gigantopapillaire, vraiment toutes les structures qui auront un contact avec la lentille de contact. Le film lacrymal, c'est très très important pour les lentilles. Et à cette étape, donc poser l'indication de la lentille, mais également éliminer les contre-indications, un terrain de sécheresse sévère, un terrain de mauvaise hygiène, si on juge que le patient n'aura pas un bon suivi. Une mauvaise hygiène, c'est une contre-indication absolue de port de lentilles de contact. Et à cette étape, en n'oubliant pas qu'on traite un hypermétrope, donc dépister un angle qui est fermable ou susceptible de se fermer, examen de la papille. Alors, le diamètre cornéen, donc il faut le noter sur le dossier. Alors, mise au point, et doit être mise au clair, une discussion claire avec le patient. Alors, poser l'indication, éliminer surtout les contre-indications, alors bien parler au patient et bien l'entendre, une discussion qui doit être claire. Alors, choix du matériau, le mode de port, le mode de renouvellement et les paramètres, tout doit être noté et surtout discuter et bien discuter avec le patient et l'écouter. Donc, tout ça doit être bien expliqué et surtout le mode de pose, de retrait de lentilles, bien expliquer que c'est un acte qui est médical, le suivi doit être médical, qu'on est là à son écoute. Moindre incident, il doit venir consulter, il ne doit pas négliger n'importe quel signe d'appel et que tout incident peut avoir des conséquences qui sont assez lourdes. Alors, le premier choix pour des petites hypermétropies, ça sera certainement une lentille qui est souple. C'est le meilleur choix et c'est la majeure partie des prescriptions. Alors, pour adapter une lentille souple d'une petite hypermétropie, ça ne nécessite pas une instrumentation qui est sophistiquée. On aura besoin d'un autoréfractokératomètre et une lampe à fente pour l'examen et la prescription. Alors, plusieurs types de renouvellement existent. On peut avoir une lentille qui est journalière pour une prescription qui est ponctuelle.
par exemple, pour quelqu'un qui veut faire juste mettre la lentille pour le sport ou pour des fêtes, pour des occasions festives, ou pour quelqu'un qui a une conjonctivite gigantopapillaire pour éviter d'avoir des solutions d'entretien. On peut avoir des lentilles qui se changent toutes les 15 à 30 jours. On a une grande panoplie de lentilles. On a un autre type de lentilles qui sont trimestrielles ou même plus. Alors, c'est pour des lentilles qui sont sur mesure ou pour des lentilles particulières. Alors, le mode de port. Soit des lentilles qui sont diurnes, ça veut dire journalières. Le patient porte la lentille le matin et l'enlève le soir. Soit pour la jeter pour des journalières ou pour la remettre le lendemain pour l'autre mode de renouvellement. Continu, c'est vraiment très pointu, c'est très particulier comme mode et ça demande une surveillance très très serrée. Alors les paramètres de lentilles, c'est unique pour la plupart des lentilles, c'est 13,80 jusqu'à 14,20 et ça recouvre la plupart de la plus grande partie des gammes sur le marché. Alors, n'oublions pas ici qu'on traite les lentilles souples, donc il doit recouvrir le limbe et doit dépasser même le limbe de 1,5 à peu près millimètre sur la circonférence de 360 degrés. Alors, le rayon de courbure. Alors, soit on a des lentilles qui ont un seul rayon de courbure, comme exposé ici, rares, certains qui ont deux rayons de courbure, et même on a une gamme de lentilles qui sont sur mesure, donc le fournisseur vous fournit, en fonction de la kératométrie moyenne, le bon rayon de courbure. Alors, pour la puissance, on traite ici les petites hypermétropies, donc on n'a pas à changer la puissance, donc on va se référer à la réfraction du patient. Alors, le contrôle de l'adaptation. Alors, d'abord, il faut évaluer le centrage. Donc, en position primaire, la lentille doit être centrée. Il va déborder à 1 à 1,5 mm sur 360, même parfois au-delà. L'essentiel, c'est que la lentille doit couvrir le limbe, même au-delà, sur la conjonctive, sur toute la circonférence. La mobilité. Alors, la mobilité, la lentille doit être mobile. Alors, doit être mobile au clignement. On va dire qu'elle va être mobile à peu près à 0,5 mm et dans le regard en haut et dans le regard latéral. Absolument, absolument, absolument. La lentille doit être mobile. C'est très important, la motilité. Donc, la mobilité vers le haut et latéral, elle est à peu près de 1 mm. Alors, le push-up test, également, c'est un très, très important pour évaluer la motilité de la lentille. Donc, on va poser le doigt sur le bord inférieur, sur la paupière inférieure, et on va évaluer la motilité de la lentille. Donc, le déplacement supérieur doit être harmonieux, et le replacement doit être sans à-coup et sans résistance. Alors, comment on va évaluer cette adaptation? Alors, d'abord par une acuité visuelle monoculaire et binoculaire. Donc, on va juger est-ce qu'elle a remonté, est-ce que le patient il est satisfait de son acuité visuelle et le ressenti du patient. Généralement, c'est des patients qui sont ravis. Donc, une fois on place la lentille, on mesure l'acuité visuelle, c'est des patients qui sont ravis. Alors, éviter la sous-correction d'un hypermétrope jeune presbyte. À la lampe à fente, on va juger le centrage. La lentille doit être centrée, elle doit être mobile. Mobile dans le regard en haut, dans le regard latéral. Au push-up test, on doit éviter qu'il y aura une hyperémie conjonctivale. On va voir, elle témoigne de quoi. On va juger la mouillabilité de la lentille et après retrait de la lentille, on va mettre une goutte de la fluorescéine et on va voir l'état de la cornée. On ne doit pas avoir impicté qui doit témoigner soit d'une KPS ou une intolérance à un produit d'entretien. Alors ici, soit on aura dans le mauvais cas une mauvaise adaptation, une lentille qui est serrée. Alors pour le patient, comment il va juger? C'est une lentille qui est confortable au début. L'acuité visuelle, elle est améliorée au clignement, mais au-delà, le patient n'est pas satisfait. Mais par contre, la lentille, elle est centrée, mais elle est peu mobile.
soit au mouvement vers le haut, latéral, au push-up test, et on aura un serrage qui est limbique. La conjonctive, on aura une conjonctiva qui est précoce. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aplatir le rayon ou réduire le diamètre. Dans le deuxième cas de figure, c'est une lentille qui est plate, le confort elle est mauvais depuis le départ et l'acuité visuelle mauvaise et non améliorée par le clignement. La lentille elle est décentrée, elle est très mobile et même on a un bec qui est inférieur. L'hyperémie conjonctivale elle est là, il faut resserrer et augmenter le rayon de courbure. Dans certains cas, on peut avoir un astigmatisme qui est associé. Pas toutes les cornées sont, ou pas toutes les réfractions sont sphériques. Quand est-ce qu'on peut corriger un astigmatisme ou on doit corriger l'astigmatisme? Alors, théoriquement, on dit que on doit se référer à la règle du tiers. Ça veut dire, quand l'astigmatisme conforme inférieur à 0,75, pas de correction si respect des règles de tiers. Ça veut dire, si l'astigmatisme, il est inférieur ou tiers, s'il est le tiers du sphère. Ça, c'est théorique. Mais la pratique nous dit que la tolérance, elle est individuelle. Ça veut dire, on doit tester. Si la tolérance, elle est bonne, ben, tant mieux. Le patient n'a pas besoin d'une correction. Mais si la tolérance, elle est mauvaise, on doit tester une correction de l'astigmatisme. Peut-être qu'il va remonter avec la correction de son astigmatisme. Alors, la difficulté, c'est pour les faibles astigmatismes, même obliques, ils nécessiteront peut-être une correction. Et ici, une lentille même torique, on aura parfois un problème qui est de centrage. Alors, les astigmatismes importants, on n'en discute pas, ils auront besoin d'une correction. Alors, quelle option on aura à donner? C'est des lentilles souples toriques pour le poids occasionnel, oui, pour les petites astigmatismes, amyotropie et pour l'astigmatisme interne ou mixte. Alors, quelles propositions? On a une gamme, un diamètre de 14,3, plus ou moins 0,2 mm. Alors, pour le rayon de courbure, en pratique, on va dire c'est le 4 plus 0,8 et privilégier les rayons de courbure le plus plat. Mais il faut dire que c'est en fonction des fournisseurs, ça c'est une règle qui est générale. Pour la puissance, c'est la réfraction cylindro-sphérique et tenir compte de la distance vers œil si on dépasse les 4 dioptries. La plupart des fournisseurs pour les renouvellements de moins de un mois proposent 4 puissances de cylindres. Alors pour l'axe, on a des pas de 10 degrés. Les choix de stabilité va dépendre de type d'astigmatisme. Alors, le type d'astigmatisme, le degré d'ouverture palpébrale, c'est pour ça que l'examen est très important. Alors, on va choisir les torts postérieurs pour les astigmatismes cornéens. Pour les larges ouvertures palpébrales, on opte plutôt pour les prismes balases et les allègements pour les petites ouvertures palpébrales. Alors, quel mode d'évaluation? Alors, le centrage, ça sera identique pour les sphériques. La lentille, également, il va couvrir toute la totalité de la cornée et la motilité est environ de 1 mm. Alors, le contrôle, on va évaluer la motilité et le contrôle des traits. C'est très important. Une déviation de moins de 20 mm sans retentissement sur l'acuité visuelle, on ne change rien. Autrement, on va changer le moyen de stabilité. C'est la rotation, elle est très importante. Ou on va s'aligner à la règle des Samsiens, c'est la rotation, elle est moins de 20 degrés. L'autre option, elle est moins fréquente, moins indiquée, mais c'est une option. On peut avoir recours à des lentilles rigides perméables au gaz, surtout en cas d'astigmatisme plus important. Il faut savoir qu'on peut prescrire des lentilles rigides perméables au gaz pour des petites hypermétropies. Alors, le diamètre standard, c'est 9,6 mm. Alors, on va se baser sur le rayon le plus plat, plus les règles d'adaptation du fournisseur. Et la réfraction, ça sera sur la réfraction lunette. Un petit mot sur l'orthokératologie. Pourquoi un petit mot? Parce qu'il n'a pas connu le succès qu'a connu l'orthokérato de la myopie. C'est la classique lentille de nuit, prescrite jusqu'à 4 dioptries d'hypermétropie. Elle est prescrite pour l'hypermétropie pure ou associée à un astigmatisme et même pour les presbytes jeunes. Et l'adaptation se fait sur topographie.
il faut dire que j'ai trouvé quelques petites séries, j'ai trouvé sur les bouquins, mais pas un grand succès comme a connu l'orthokérato sur myopie. Alors, pour finir, j'ai exposé un cas clinique. Une jeune patiente de 25 ans, céphalalgique chronique, qui refuse des corrections lunettes. Alors, au niveau de l'œil droit, elle a une hypermétropie de plus 3, un diamètre horizontal de 11,5 mm et un KM de 7,8. Alors, on a opté pour une lentille silico-hydrogel. Le diamètre que nous propose qu'on a, c'est le 14 mm. Donc, ça va couvrir la totalité de la cornée. Alors, vous voyez ici la lentille, elle couvre la totalité de la lentille, de la cornée, le limbe, le dépassement, tout va bien. Alors, et selon les règles, donc on va, c'est le KM plus 1,04, ça va nous faire 14 mm, 8,40 de rayon de courbure et 1 plus 3, et ça sera un bio extra avec les constantes que je viens de citer. Alors, pour conclure, alors, est-ce que l'hypermétropie peut être adaptée? Alors, contrairement aux anciennes recommandations, c'est une très bonne indication aux lentilles de contact et surtout souple. Il faut insister sur un bilan pré-adaptation, insister à la discussion avec le patient. Alors, l'adaptation, ce sera une lentille essentiellement souple et exiger un bon matériau et à haute transmission à l'oxygène. Et je vous remercie. Merci, merci beaucoup, petit Sam, pour ta exposé très clair, très enrichissant. Je passe la parole maintenant au docteur Nadir Karchen, qui va nous parler d'adaptation de forte hypermétropie et de la FAQI. À toi, Nadir. Bonjour. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. L'Association tunisienne des ophtalmologistes contactologues et de surface oculaire est vraiment honorée d'être parmi vous pour votre invitation et remercier les laboratoires BioLens d'avoir permis donc cette rencontre si enrichissante. Donc, et maintenant, je vais vous parler un peu des adaptations par lentilles de contact des hypermétropies. Alors, pour les hypermétropies, concernant cette amyotrophie, c'est vrai que ça a été assez délaissé par les différentes équipes de recherche, qu'ils soient contactologues ou ophtalmologistes. Il faudrait juste voir par rapport aux publications hypermétropie et lentilles de contact. Vraiment, c'est des publications qui sont très, très limitées, alors qu'il s'agit d'une amyotrophie qui touche plus de 10% de la population mondiale et on estime que c'est une fréquence assez sous-estimée. Alors, il s'agit d'une amyotrophie sphérique où l'image d'un objet situé à l'infini se forme en arrière du plan de la rétine et on distingue les hypermétropies axiles et les hypermétropies de puissance. C'est une hypermétropie qui pourrait être aussi acquise due à la FAQI, aux kératectomies radiaires, à la kératoplastie, au CRC ou bien certaines tumeurs à expansion vitréenne. Et on parle d'hypermétropie pathologique ou forte hypermétropie à partir de 5 dioptries. Alors, qu'en est-il du processus d'émétropisation et de cette amyotrophie sphérique? Alors, on est hypermétrope et on acquiert cette émétropisation entre l'âge de 4 à 7 ans avec une médiane vers 6 ans. Et le port de la correction optique, qu'il soit en lentille de contact ou bien en lunettes, ne s'oppose en aucun cas à ce processus d'émétropisation. Il faudrait savoir qu'un enfant qui naît avec 5 ou 6 dioptries donc, d'hypermétropie a beaucoup moins tendance à régresser et on aura un hypermétrope. Alors, cette amyotrophie, elle s'associe généralement à plusieurs pathologies. La plus importante pour l'enfant, c'est l'amblyopie de l'enfant, le strabisme, mais aussi les troubles de vergence comme les hétérophories, les asthénopies accommodatives, le glaucome par fermeture de l'angle, les microphtalmies, nanophtalmies,
les aphakies, les hypermétropies post-chirurgicales, donc iatrogènes, et bien sûr, il ne faut pas oublier les hypermétropisations transitoires suite à des hyperglycémies chez le diabétique. Alors, on a plusieurs moyens de correction de cette hypermétropie, donc dont les verres de lunettes les plus connus. Ça pourrait être aussi les chirurgies réfractives, chirurgie du cristallin clair, les implants phaques aussi, mais on oublie tout le temps et toujours, je ne sais pas pourquoi, les lentilles de contact, alors qu'ils trouvent toutes leurs donc indications, comme l'a dit professeur Haji. Alors, la correction lentille en cas de l'hypermétropie, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit professeur Haji, donc c'est une correction assez classique. L'examen doit être minutieux fait de manière systématique. On doit faire une scioscopie impérative. Il faut toujours vérifier si le patient est déjà porteur de lentilles, qu'il enlève ses lentilles au moins 3 jours avant, s'il s'agit de souple, et une semaine s'il s'agit de rigide. Et bien sûr, faire les corrections, comme l'a dit Dr Ben Chérifa, donc avec les différents tests, la règle de Swain, les brouillages, les débrouillages, et saturer bien sûr les hypermétropies. Il faut faire attention par rapport aux prises de neuroleptiques ou de médicaments susceptibles de modifier l'accommodation, traiter donc la surface oculaire s'il y a des éventuelles pathologies associées, prévoir des lunettes de correction de suppléance et faire bien sûr, et ne pas oublier, des topographies cornéennes associées à une pachymétrie surtout, afin donc de vérifier et de corriger le tonus oculaire en fonction, parce que faut pas oublier qu'on pourrait avoir aussi un glaucome associé. Équiper sur un œil calme, commencer l'adaptation par les lentilles d'essai, faire les surréfractions et émettre son ordonnance, bien sûr faire la commande, et après, à la réception, on va vérifier tout ça, faire apprendre aux patients donc la pose et les déposes, et bien sûr l'éducation sur les règles d'hygiène. La vérification de la position de la lentille, c'est évident, la surréfraction, vérifier l'acuité visuelle, procéder aux modifications si nécessaire, et bien sûr ne pas perdre de vue ce patient-là, le contrôler à J15 chaque 3 mois et à chaque consultation, faire l'acuité, vérifier l'acuité, l'examen à la fluo, le segment antérieur et la surréfraction. Alors, pour les petites et moyennes amyotropies, comme l'a dit professeur Haji, donc on va plutôt préconiser donc les lentilles souples, de préférence journalières en silicone hydrogel, sinon des hydrogels journalières, des silicone hydrogel ou hydrogel mensuel ou trimestriel, et avoir en tête que c'est des lentilles qui sont convexes et qui sont assez épaisses, avec des décas qui sont assez faibles. Pour les fortes amyotropies à partir de 6 dioptries, bien sûr, il faut toujours préconiser plutôt d'utilisation des lentilles rigides perméables au gaz, et préconiser bien sûr les systèmes oxydants pour les produits d'entretien, qu'ils soient adaptés en donc souple ou en rigide, plutôt que les systèmes multifonctions. Alors, quelle est la particularité de l'adaptation chez un hypermétrope? Alors, il y a des particularités de cette adaptation donc liées aux lentilles, des particularités qui sont liées au patient lui-même, à l'hypermétrope lui-même, et des particularités qui sont bien sûr liées donc aux pathologies associées. Donc, qu'en est-il par rapport aux lentilles de l'hypermétrope? Alors, il s'agit de lentilles qui peuvent supporter des puissances de prise très, très importantes, particulièrement pour les rigides. Ça peut aller jusqu'à plus 40. Pour les souples hydrogels, jusqu'à plus 20 dioptries. Et pour les souples silicone hydrogels, jusqu'à plus 10. Il faudrait toujours avoir en tête cette épaisseur-là, parce que, par exemple, pour un déca de 72, pour une lentille de moins 3, par exemple, l'épaisseur de la lentille, elle est de 0,15, alors qu'elle passe à 0,43 avec une lentille de plus 15, et le déca, donc on le retrouve donc très 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 bas, donc, et qui passe d'un 72, on croyait que le matériau de 72, alors qu'on a à peine 17 de transmissibilité à l'oxygène. D'où l'importance d'exiger des matériaux de très haut déca comme le Z, le Boston XO, le Boston XO2, le Premium Extreme, et maintenant on a d'autres matériaux comme le Premium Infinity qui peut arriver jusqu'à 200 de déca. Alors, c'est des lentilles donc qui ont une zone optique assez bombée. Il faudrait avoir ça en tête parce que des paupières assez toniques peuvent carrément la déplacer et on aura un risque de perte assez important. Mais il faudrait donc avoir
tout ça en tête quand on va calculer donc le diamètre de cette lentille, et il ne doit pas être aussi trop réduit pour avoir une pente douce entre zone optique et dégagement, et bien sûr faire attention que le diamètre de la lentille soit juste inférieur à un millimètre par rapport à la fente palpébrale. Donc, il faudrait savoir doser tout ça. Donc, juste un petit exemple d'une lentille. On voit très bien que pour les fortes hypermétropies, ça tombe un peu, donc avec différents fournisseurs. Là aussi. Alors, pour les donc souples hydro, pour les lentilles souples, bien sûr, essayez d'avoir que des, autant que possible, que des silicone hydrogel presque exclusivement. Il faut faire attention au serrage. Faut faire attention aux décas, faut essayer de bannir carrément les lentilles souples colorées et corrigées, justement pour ce problème de décas. Et toutes les publications qui ont été donc émises donc le confirment, et cela depuis les années quand même 80. Donc chez l'hypermétrope, donc c'est quoi la particularité de la cornée hypermétrope? Donc, la cornée chez un hypermétrope, c'est généralement une cornée qui est assez plate. On peut se retrouver même avec des cornées aplanées. On a des asphéricités qui sont moins importantes que chez le myope. On a des aberrations sphériques d'ordre supérieur qui sont très importantes, qui vont augmenter avec l'âge. Et bien sûr, des diamètres cornéens qui sont beaucoup, beaucoup plus réduits, ce qui nous laisse beaucoup plus se diriger vers des lentilles sur mesure et particulièrement les lentilles rigides perméables au gaz. Alors, par rapport à l'effet prismatique, généralement, quand on corrige ces patients en fort hypermétrope, ils sont généralement déçus par la correction lentille, puisque l'image rétinienne, elle est devenue de taille assez normale. Mais il faudrait avoir en tête que les lunettes, qu'avec les lunettes, la correction optique avec lunettes, ça induit une modification carrément de l'espace virtuel, et qu'on a une zone de vision qui est spatialement complètement déplacé, et que tout ça va être régularisé chez ces patients. Et en fin de compte, à moyen et à long terme, ils sont assez contents du résultat. Mais attention, parce que à partir de 15 dioptries, on peut volontairement sous-corriger les lentilles pour donner des lunettes complémentaires afin de conserver la magnification de l'image qui pourrait carrément atteindre chez ces personnes fort hypermétropes carrément 30%, et comme ça on va préserver une acuité visuelle chiffrée. Alors, pour l'effet prismatique comme le phénomène Jack in the Box ou bien le scotum annulaire qui est vu avec les corrections par lunettes, il est complètement supprimé par les lentilles de contact, et bien sûr cette lentille va rapprocher les plans donc va faire déplacer les plans principaux, va soulager l'accommodation, et on aura donc une diminution des spasmes, et tout ça, ça peut révéler même une hypermétropie latente non mise en évidence carrément, même avec les cycloplégiques. Donc, qu'il faudrait savoir corriger a posteriori et ajouter à la puissance finale lors des différents contrôles, même après un an, après deux ans. Alors, pour l'hypermétrope, généralement, ça s'associe dans 60% des cas à des ésotropies, dans 40% des cas à des exotropies, donc beaucoup plus que chez le sujet orthophorique. Et c'est vrai que dans cette pathologie-là, la correction optique totale, elle est vraiment recherchée, et elle est beaucoup plus facilement prescrite par les lentilles de contact. Donc, ça va lutter contre les amblyopies, donc les anisométropies. Ça va rééduquer beaucoup plus facilement donc les yeux, et ça va faire disparaître les strabismes accommodatifs purs et régresser les strabismes mixtes. Bien sûr, le bénéfice esthétique, il est indéniable. Vous voyez très bien que les enfants sont heureux donc de passer en lentille, même si l'image elle est beaucoup plus réduite qu'avant, même quand on qu'il soit nourrissant, qu'il soit adolescent ou bien adulte, tout le monde est heureux. Bien sûr, et toutes les études de qualité de vie ont démontré que le passage par correction lentille, ça augmente la qualité de vie, et cela, ça a été démontré depuis les années déjà 2016. Alors, une petite note par rapport à l'enfant fort hypermétrope. Il faudrait avoir en tête que chaque enfant qui pose un problème, même au niveau du rendement scolaire, s'il a des céphalées, s'il a un isolement, s'il a un comportement autistique, ou bien on parle d'un enfant rêveur pendant les classes ou même à la maison,
moment où il a une tendance d'isolement progressif, il faudrait avoir en tête que peut-être c'est un enfant donc qui a une hypermétropie, généralement une forte hypermétropie. Donc, il faudrait toujours faire attention à une asthénopie accommodative chez un enfant, à un strabisme qui arrive comme ça, donc et savoir détecter ces enfants-là et les corriger à temps, afin donc bien sûr de leur donner le maximum d'acuité visuelle chiffrable et bien sûr de restituer leur vision binoculaire et la vision stéréoscopique. Bien sûr, chez un enfant, quand on parle d'enfant, on parle de l'antirigide perméable au gaz et en aucun cas de l'antisouple, sauf activité sportive et de manière très, très limitée. Alors, si on a aussi un presbyte qui est hypermétrope, alors on pourrait aussi lui proposer une certaine correction par lentille à partir de 2 dioptries. Et c'est vrai que c'est des patients qui supportent très très bien les lentilles multifocales et la vision par lentille multifocale beaucoup plus que par des monovisions ou même des monovisions aménagées. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que c'est pas le sujet. Mais c'est juste, il faudrait préciser que si ces patients-là aussi ils présentent une presbytie hypermétropie avec des strabismes, il faudrait peut-être préférer la correction par des lentilles rigides, multi ou bifocales, que plutôt des souples, car on a un problème au niveau de la vision binoculaire qui est souvent défaillante. Alors, si on a un astigmatisme et une hypermétropie, il faut faire attention par rapport aux surépaisseurs, donc à l'épaisseur du prisme et qui pourrait carrément décentrer, donc se surajouter sur le poids final de cette lentille qui est assez lourde et décentrer donc cette lentille-là. Et bien sûr, qui va retentir aussi par rapport à la transmissibilité à l'oxygène, d'où bien sûr, il faudrait essayer le plus que possible de prescrire des lentilles rigides perméables au gaz, comme par ici, on a une lentille donc convexe avec les traits de stabilité donc de cette lentille torique. Qu'en est-il de l'orthokératologie? Alors bon, disons théoriquement, oui, c'est possible chez les hypermétropes ou les hypermétropies évolutives, donc de faire de l'orthoca. Mais on est vraiment limité pour les indications parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des excentricités qui ne le permettent pas, des kératométries qui sont généralement plates, et c'est vrai que c'est des adaptations qui sont assez peu fréquentes, voire même carrément rares. Pour les périphéries aménagées, on n'a pas vraiment encore des profils pour les hypermétropes, donc on attend encore. Alors, pour les diabètes hypermétropes, il faut ne jamais faire de correction de lentille chez un diabétique jusqu'à stabilisation de sa réfraction, qui sera généralement atteinte à partir du 3e mois après stabilisation de sa glycémie, et faire des contrôles plus stricts et rapprochés. Pour le glaucome, si le patient est sous antiglaucomateux, il faut préconiser les formes non conservées, équiper absolument en lentille rigide perméable au gaz et proposer bien sûr des soupes journalières pour les activités sportives et bien sûr pour les solutions d'entretien, on ira beaucoup plus vers les systèmes oxydants. Faut pas oublier de faire régulièrement donc des pachymétries de contrôle, généralement chaque 3 mois de préférence, et cela afin de faire la correction par rapport au tonus et bien sûr ne pas oublier de faire le champ visuel. Donc, en conclusion, l'adaptation des lentilles de contact chez un hypermétrope, elle est très possible, elle est assez facile. Ça soulage les patients, généralement qui travaillent de plus en plus en vision rapprochée. Et bien sûr, chez les enfants, c'est surtout la lutte contre l'amblyopie qui est au premier plan, les lentilles rigides, et ça a démontré leur efficacité. Ça n'empêche en aucun cas le processus d'hémétropisation et ça a un apport indéniable sur le plan esthétique. Et merci beaucoup pour tous. Alors, merci, docteur Korchan. On passe à notre ami professeur Hassan Lamari pour nous présenter la chirurgie réfractive cornéenne de l'hypermétropie. Thank you.
parler de la chirurgie réfractive de l'hypermétropie. Quand et comment? Alors, juste pour un petit rappel, l'hypermétropie, c'est un œil qui n'est pas assez puissant, soit parce qu'il a une longueur axiale qui est diminuée, soit parce qu'il a une cornée qui est trop plate. Ça représente à peu près 10 à 15% des amétropies, mais cette fréquence est probablement sous-estimée parce que, comme l'a dit Mme Michelifa, si on ne fait pas de ski à col, on ne peut pas dépister des hypermétropies. De plus, c'est un vice de réfraction qui s'accompagne assez fréquemment de troubles oculomoteurs. Alors, opérer un hypermétrope, ça constitue un réel problème pour tout chirurgien réfractif, parce que à quel âge est-ce qu'on peut opérer? Quelle est la réfraction qu'il faut opérer? Est-ce qu'on va se baser sur la réfraction subjective ou est-ce qu'on va se baser sur la réfraction objective? Et quelle est la méthode qu'il faut choisir? Alors, les patients demandeurs sont souvent plus âgés que les patients myopes. Il peut s'agir de strabisme accommodatif, de strabisme partiellement accommodatif ou carrément non accommodatif. Il peut s'agir de forts hypermétropes. En général, ce sont des hypermétropes moyens pré-presbytes ou presbytes qui sont les plus demandeurs. Le bilan préopératoire est identique à celui de tout candidat à une chirurgie réfractive, mais il doit être plus rigoureux, avec un interrogatoire et une discussion assez prolongée avec les patients. Quel est son âge? Quels sont les antécédents personnel, prise de rétinoïde, maladie de système, etc. Est-ce qu'il a des antécédents de strabisme, de rééducation orthoptique, de chirurgie de strabisme? Et pourquoi est-ce qu'il veut se faire opérer? Est-ce que c'est parce qu'il a une amblyopie? Dans ce cas-là, il faut lui expliquer que même si on l'opère, il gardera toujours la même acuité visuelle. Est-ce qu'il a un trouble oculomoteur associé et c'est pour ça qu'il veut se faire opérer? Et donc, il faut bien évaluer les exigences du patient pour éviter les insatisfactions post-opératoires. L'étude de la réfraction, c'est le temps essentiel, quelle que soit la chirurgie réfractive, quelle que soit la métropie qu'on veut traiter par chirurgie réfractive. Mais ici, elle est encore plus parce qu'elle doit obligatoirement comporter une étude de la réfraction objective avec et sans ski à col et une mesure de la réfraction subjective avec et sans ski à col. Il faut faire un bilan orthoptique, c'est essentiel pour rechercher un trouble oculomoteur. En cas d'ésophorie ou d'ésotropie, on va préférer une correction optique totale. En cas d'exophorie ou d'exotropie, il y a un risque d'aggravation post-opératoire et donc il faut faire attention pour éviter une exo consécutive après la chirurgie de réfractive et beaucoup de prudence si le patient a déjà été opéré pour un strabisme. L'examen à la lampe à fente doit être complet avec examen de la surface oculaire, gonioscopie, ici c'est des petits yeux avec des angles qui peuvent être étroits, l'examen du cristallin, de la papille, de la macula et de la périphérie rétinienne. La topographie est essentielle. Moi, personnellement, les patients hypermétropes que je vois ont souvent une pachymétrie supérieure à 500 microns, mais on ne retrouve pas toujours ça dans la littérature. La kératométrie doit être inférieure à 47 dioptries pour éviter une ectasie cornéenne. Il faut vérifier les autres facteurs. Et si on envisage des ICL, la profondeur de chambre antérieure doit être supérieure à 2,80. Alors, le calcul de l'ablation théorique, selon la formule classique, c'est l'ablation en micron est égale au degré de la sphère que multiplie le diamètre de la zone optique au carré divisé par 3. En cas d'hypermétropie, on a un diamètre de zone optique qui va être plus large, qui va atteindre 6,5 mm, avec une zone de raccordement ce qui fait assez importante, ce qui fait que la zone traitée elle avoisine les 9 à 9,5 mm. Et de ce fait, la quantité de tissu ablaté est plus importante, donc il faut laisser absolument un mur postérieur de 300 microns au minimum. Les contre-indications, ce sont les contre-indications habituelles de toute chirurgie réfractive, patients trop exigeants, cornée fine ou à risque, les antécédents d'herpès, la rosacée, les dystrophies cornéennes, la cataracte, le glaucome mal contrôlé, le diabète mal contrôlé, les collagénoses, les grossesses et les patients sous amiodarone ou sous rétinoïde. Alors, quelle réfraction est-ce qu'il faut corriger? Si c'est une ésophorie ou si c'est une ésotropie, il faut traiter la correction optique totale. S'il s'agit d'une exophorie ou d'une exotropie, il y a un risque d'aggravation du trouble oculomoteur en post-opératoire. Donc soit il faut avertir le patient qu'il aura peut-être besoin d'une chirurgie de strabisme en post-opératoire ou bien s'abstenir d'opérer.
Si on a un bon équilibre oculomoteur, il faut une décision bien pesée et discutée avec le patient. Donc le choix de la réfraction va dépendre de l'âge du patient. S'il a moins de 40 ans, on va plutôt se rapprocher de la réfraction objective. S'il a plus de 40 ans, on va se rapprocher plutôt de la réfraction subjective sous cycloplégique. Et la puissance, ça dépend également de la puissance de l'hypermétropie. Donc plus l'hypermétropie est importante, plus on aura une différence importante entre la réfraction objective et la réfraction subjective. Alors, quelle réfraction choisir? Selon les auteurs, il n'y a aucun consensus. Il y a des auteurs qui préfèrent la réfraction subjective si la différence est inférieure et supérieure à 0,5. Il y a des auteurs qui se basent sur la réfraction subjective, d'autres auteurs qui se basent sur la réfraction objective, d'autres qui font la moyenne entre la réfraction subjective et la réfraction objective sans dépasser une dioptrie de plus que la réfraction subjective, et d'autres qui se basent sur la réfraction objective diminuée de 5%. Donc il n'y a pas de consensus, ça dépendra en fonction des patients. Donc selon d'autres auteurs, on va traiter la réfraction objective de l'œil dominé, se rapprocher de la réfraction subjective pour l'œil dominant avec une sous-correction maximale de 1 dioptrie et bien expliquer au patient que le délai de récupération va être plus long. Donc il faut relâcher l'accommodation, améliorer le confort du patient à long terme, aussi bien en vision de loin qu'en vision de près. Dans tous les cas, il faut bien discuter avec le patient, voir quelle est sa motivation, lui expliquer qu'il aura un délai avant la normalisation de l'acuité visuelle. Si on envisage une correction optique totale, on peut tenter un essai avec les lentilles de contact. Et si la différence entre la réfraction subjective et objective sous cycloplégique dépasse 2 dioptries, il vaut mieux attendre un petit peu, peut-être mettre le patient sous lentille de contact pour relâcher un peu plus son accommodation avant de décider de l'opérer. En cas d'ésotropie, le strabisme n'est pas une contre-indication. Au contraire, la chirurgie réfractive va traiter la part accommodative du strabisme et on aura une orthophorie parfaite en cas de correction optique totale pour un strabisme accommodatif. Une ésotropie résiduelle en cas de strabisme partiellement accommodatif. Et je pense que si c'est possible, si le patient n'est pas opéré pendant l'enfance, il vaut mieux opérer le strabisme après la chirurgie réfractive si possible pour ne pas avoir de surprise en post-opératoire. Alors si c'est un strabisme qui a été déjà opéré dans l'enfance, il faut bien examiner l'angle avec et sans correction, refaire le bilan orthoptique avec la correction optique totale, de préférence en lentille de contact pour relâcher au maximum l'accommodation, pour éviter une exophorie, rechercher une exophorie ou une exotropie consécutive à la chirurgie du strabisme, pour éviter les mauvaises surprises post-opératoires. En cas d'exophorie ou d'exotropie, il faut être très prudent parce que la correction de l'hypermétropie va relâcher l'accommodation et accentuer l'exotropie. Il faudra peut-être surseoir à la chirurgie réfractive ou bien avertir le patient de la nécessité d'une éventuelle chirurgie de strabisme. Alors quand opérer, le strabisme accommodatif, on peut opérer à partir de 18 ans à 21 ans. Est-ce qu'on peut opérer des enfants? Là, il faut quand même être prudent. Si un enfant ne veut pas porter de lunettes, l'opérer, c'est pas... Je pense que ça n'est pas très, très prudent. Il n'y a pas de limite d'âge à partir de l'âge de 21 ans. Et si c'est nécessaire, on peut associer à une chirurgie de la presbytie. Alors, quelle technique? La chirurgie ablative cornéenne va faire bomber la cornée. C'est une ablation circulaire. Grâce au nouveau profil d'ablation, on peut aller jusqu'à 6 dioptries. On réalise souvent une petite surcorrection parce qu'il y a souvent une régression en post-opératoire. En cas de presbytie associée, le traitement de l'hypermétropie seul va augmenter la profondeur de champ et améliorer relativement la vision de près. Mais si c'est nécessaire, on peut associer au traitement réfractif de l'hypermétropie un presbylasique qui est beaucoup mieux toléré que la monovision chez ces patients. Le problème, c'est qu'à dioptrie égale, on enlève un peu plus de tissu, donc il y a une plus grande sensibilité au mouvement oculaire, d'où la nécessité d'insister sur la fixation et d'avoir un nez trachéen rapide. Alors on choisit LASIK ou PKR. Le LASIK est fiable et prédictible jusqu'à plus 5 à plus 6. Le capot va mesurer à peu près 9 à 10 mm avec une zone optique de 6 à 7 mm, donc qui est très confortable. Et on a une régression qui est un peu moindre que pour la PKR qui survient dans moins de 6% des cas à 1 an. La PKR, on peut théoriquement traiter jusqu'à 5 dioptries, mais elle n'est sûre et efficace et prédictible que jusqu'à plus 2 à plus 3.
Au-delà, on a un risque de sous-correction et de régression. Et la PKR, en traitant une hypermétropie par la PKR, on peut avoir une régression dans 17 à 20% des cas à un an. La zone optique traitée est à peu près de 6,5 mm avec une zone totale de traitement de 9 mm. Dans les suites post-opératoires, du fait qu'on fait souvent une surcorrection pour éviter la régression, donc le patient va être gêné en vision de loin, il faut l'avertir en préopératoire. La récupération nécessite 2 à 3 mois et les retouches sont plus fréquentes qu'en cas de myopie à partir du 3e mois. Jusqu'à plus 6 dioptries, 46 à 59% ont une acuité visuelle supérieure ou égale à 10 dixièmes, 92 à 96% ont une acuité qui est supérieure à 5 dixièmes. Et on a moins d'une dioptrie résiduelle dans 84 à 92% des cas. La perte de ligne ou la baisse d'acuité visuelle est vraiment exceptionnelle. Les complications sont identiques à ceux d'un LASIK ou d'une PKR pour une myopie. La régression est plus fréquente. Et ici, il y a une particularité, c'est l'astigmatisme induit par une ablation accidentelle sur la charnière. La reprise est plus fréquente. Si le traitement a été fait en LASIK, mais attention, là, il y a un risque important d'invasion épithéliale. En PKR, quelle que soit la première technique. Alors, je vais juste survoler les implants FA qui vont être traités par le docteur Zafat. C'est pour les hypermétropies qui dépassent plus 6 dioptries. Et la chirurgie du cristallin clair, dont on va parler probablement. Madame le professeur Théoudi, c'est pour les patients âgés de plus de 60 ans. Chaque fois qu'on a une opacité cristalline, ou bien les patients qui sont demandeurs d'une chirurgie de la presbytie. Je vais rapporter rapidement deux cas cliniques. C'est une patiente de 22 ans qui est venue pour une chirurgie du strabisme avec un angle de 35 dioptries sans correction. Elle a été corrigée plusieurs fois, mais n'a jamais porté de lunettes. Elle n'a jamais eu de traitement orthoptique. Voici sa réfraction sous cycloplégique. Elle a 9 dixièmes aux deux yeux avec sa correction optique. On l'a obligée à porter une correction optique pendant 2 mois. Et le bilan orthoptique a conclu à un strabisme accommodatif qui elle devient orthophorique avec sa correction en vision de loin et garde 5 dioptries en vision de près avec une fusion normale et une correspondance rétinienne normale. Après une chirurgie réfractive, on a fait un LASIK avec correction optique totale et avec une zone optique de 6,5 et elle est parfaitement ortho en vision de loin et en vision de près. Le deuxième cas clinique, c'est une patiente de 25 ans, c'est un strabisme de l'enfance irrégulièrement traité. Elle porte la correction optique de façon occasionnelle et elle a été adressée par un confrère pour une chirurgie de strabisme. Alors elle a 10 dixièmes aux deux yeux sans correction optique. Sous cycloplégie, on trouve plus 3 à droite et moins 2,25 à gauche. Sans correction, elle a une ésotropie de 20 à 25 dioptries en vision de loin qui passe à 35 à 40 en vision de près. Avec la correction optique, l'angle diminue de façon très notable et passe à 0 à 10 dioptries en vision de loin et moins de 20 en vision de près. Topographie est normale, donc on a fait une chirurgie réfractive et jugé par la suite si la chirurgie d'un strabisme va rester nécessaire. Donc on a fait un feinto-LASIK avec correction optique totale de la métropie. Et le résultat, je n'ai pas de photo post-opératoire, mais elle était parfaitement ortho en vision de loin et de près. Mais ce qui posait problème, c'est que avec la correction optique totale, elle a gardé une petite myopie de moins 2 et de moins 1,25 en post-opératoire. Mais comme elle était satisfaite par le résultat sur le strabisme, elle a supporté ceci au bout de 4 mois. L'accommodation s'est relâchée, elle a récupéré 10 dixièmes aux deux yeux. Je la suis depuis maintenant plus d'un an, il n'y a pas de régression. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ? La chirurgie réfractive cornéenne de l'hypermétropie reste un challenge pour le chirurgien. Quels sont les patients qu'il faut opérer ? Quelle est la réfraction à corriger ? Il faut parler du patient du risque de la gêne post-opératoire qui peut durer jusqu'à 6 mois et du risque de régression, donc d'où la nécessité de bien discuter avec le patient. Et je crois que, à mon sens, la meilleure indication pour la chirurgie réfractive de l'hypermétropie, c'est le strabisme accommodatif. Et je vous remercie. Merci Hassna pour ton exposé. Je pense qu'à toi, Rachid. Non, c'est bon. Alors, on appelle Dr Zafat. Thank you.
Donc, chers confrères, je suis très ravi de participer aujourd'hui à ce webinaire sur l'hypermétropie. C'est la seule chirurgie réfractive additive qui persiste. Vous savez, donc les implants en fac de chambre antérieure ont été abandonnés à cause de leur quantité. Je pense. On entend mal? Oui. Ces aphates, on entend mal. Traiter le sujet des implants FAC précristalliniens et l'hypermétropie. Donc, les implants FAC actuellement précristalliniens, c'est la seule chirurgie réfractive additive qui persiste. Donc, plus de 1 million de procédures à travers le monde. Actuellement, il existe en génération V4B, comme vous le voyez sur la photo. C'est un implant contrairement donc, à l'implant du myope qui ne possède pas le trou central. Et par conséquent, il y a l'obligation d'une IP périphérique ou bien d'eux-mêmes pour éviter les problèmes de blocage pupillaire. Pour la puissance dioptrique, ça peut corriger jusqu'à plus 10 dioptries, donc d'hypermétropie. Prochainement, ça sera commercialisé sous la forme donc multifocale V6. C'est un implant qui a un diamètre optique et une zone optique nominale qui peut aller jusqu'à 5,8 mm. Il y a aussi l'IPCL. C'est un implant qui peut corriger jusqu'à plus 15 dioptries d'hypermétropie. Il existe déjà en forme donc multifocale, mais c'est un implant qui n'a pas encore assez de recul par rapport à l'ICL de STAR. Les avantages des implants FAC par rapport aux techniques soustractives. L'implant FAC possède un diamètre optique qui est assez large, qui peut aller jusqu'à 5,8 mm. Et par conséquent, donc, au plan de la cornée, cette zone optique devient plus large puisqu'elle est multipliée par 1,25. Donc, ce qui donne une qualité de vision qui est meilleure avec un risque de décentrement qui est moins important que par rapport aux techniques soustractives. C'est très bien que pour traiter des amétropies fortes en technique ablative, il faut diminuer un peu, donc réduire la zone optique, ce qui est à l'origine de beaucoup d'aberrations sphériques de haut grade. Chose qui n'est pas pratiquement posée donc avec les implants FAC. Il n'y a pas encore le problème de régression donc du résultat réfractif par hyperplasie épithéliale, ni le problème d'ectasie cornéenne par fragilité de la cornée. Les indications sont les adultes de plus de 21 ans, les hypermétropies de plus de 5 ou 6 dioptries, les astigmatismes aussi de plus de 5 dioptries. La réfraction doit être stable, la pupillométrie photopique doit être inférieure à 6 mm pour éviter les problèmes de qualité optique. La chambre antérieure doit être assez spacieuse, assez profonde, plus de 2,8 à 3 mm à partir de l'endothélium. Ça peut être la solution pour certaines erreurs réfractives après certaines chirurgies ablatives, notamment donc, il y a les kératotomies radiaires. On a tous reçu des patients qui ont eu pour leur myopie des kératotomies radiaires qui se sont trouvées avec des hypermétropies parfois assez fortes. Ça peut corriger aussi certaines pseudophakies avec erreurs biométriques hypermétropisantes et ça peut être la solution aussi chez les enfants anisométropes forts et sur les kératocones stables centraux ou bien centrés par des anneaux intracornéens. Les contre-indications, c'est essentiellement le comptage cellulaire inférieur à 2000 cellules par millimètre carré, les pathologies associées cornéennes, le glaucome, la cataracte, l'uvéite, et chez le monophtalme et le fort amblyope, et aussi la grossesse sont des contre-indications. Le bilan opératoire, donc premièrement, donc la réfraction objective et subjective avec et sans cyclopégie est un temps très important, comme a été mentionné donc avant. Sachez qu'une erreur réfractive de réfraction retentit automatiquement par des imprécisions donc du résultat réfractif par la suite. La mesure de la tension oculaire et de la gonioscopie, toute hypertonie intraoculaire ou étroitesse de l'angle doit proscrire un implant FAC. Le bilan orthoptique et l'oculomotricité. L'implant FAC a un effet réfractif bénéfique dans les strabismes accommodatifs purs, mais peut décompenser certains autres strabismes préexistants ou problèmes donc oculomoteurs, d'où l'intérêt de la collaboration avec le strabologue. La topographie cornéenne, c'est un examen clé puisqu'il nous permet
de mesurer les deux paramètres importants pour la détermination de la taille de l'implant, à savoir la distance blanc à blanc qui quitte le sizing et la profondeur de la chambre antérieure. Comme vous le voyez sur le tableau, la taille de l'implant elle est déterminée par ces deux paramètres et ça ne tolère pas donc d'erreur parce que sinon on va passer d'un implant à un autre et ça peut retentir en donnant des problèmes de voltige. C'est quoi le voltige? C'est la distance qui sépare la face antérieure du cristallin de la face postérieure de l'implant. Et on dit qu'un bon voltige, comme vous le voyez sur les deux photos en bas, un bon voltige, c'est quand il est compris entre 250 et 750 microns, c'est-à-dire une demi-cornée jusqu'à une cornée et demie. Et un voltige qui est inférieur à 250 microns ou bien supérieur à 800 est à haut risque de complications. Inférieur à 250, risque de cataracte, supérieur à 800, les risques d'hypertonie oculaire et de dispersion pigmentaire. Les anomalies de voltige peuvent être responsables d'imprécisions réfractives, d'interventions secondaires en cas de haut voltige pour aller l'extraction de l'implant. Et comme vous allez le voir, ça va être responsable de la plupart des complications post-opératoires si on n'évalue pas bien le sizing de l'implant. L'UBM, c'est un examen très important. Il permet de visualiser l'espace rétro-irien et éliminer les pathologies au niveau du sucus, au niveau, comme vous le voyez sur la photo en bas, un kyste irien qui doit proscrire l'implantation d'un implant FAC. Et aussi sur la photo à côté, c'est un examen qui permet de mesurer la distance sulcus à sulcus, qui est beaucoup plus précise que le blanc à blanc. Mais c'est un examen qui est lent, qui est opérateur dépendant, avec une subjectivité et une absence de répétabilité des résultats. Les OCT du segment antérieur trouvent tout leur intérêt. C'est des examens qui permettent une précision des mensurations du segment antérieur. Ils nous permettent de mesurer la profondeur de la chambre antérieure, la flèche cristallinienne aussi, qui est la distance entre la face antérieure du cristallin et une ligne passant par les deux angles iridocornéens. Elle doit être inférieure à 600 microns. Au-delà de cette valeur, donc il y a un risque de petit voltig et de complications. L'angle iridocornéen doit être supérieur à 35 degrés. Sachez qu'un implant FAC bien positionné dans le sulcus occupe 10 degrés et que donc vous imaginez que l'angle doit être assez ouvert pour éviter les problèmes de fermeture de l'angle. Actuellement, grâce aux OCT, il y a des formules qui nous rapprochent un peu des bonnes mesures et de la précision des mesures. Donc, il y a la formule de Shimizu qui consiste à mesurer la distance angle à angle en rajoutant 0,5 mm sur cette valeur. Et la formule de Nakamura, qui est la NK formula, qui est une formule mathématique, comme vous le voyez sur la photo en bas, qui se base sur la largeur de la chambre antérieure et la flèche cristallinienne pour donner donc le sizing de l'implant. Avec ces deux formules, les auteurs ils ont trouvé donc des valeurs qui sont très correctes du voltige entre 250 et 700 microns dans presque 100% chez 100% de leurs patients. La microscopie spéculaire pour mesurer la densité oculaire et évaluer la morphométrie, le polymégatisme et le polymorphisme des cellules endothéliales et aussi pour le suivi post-opératoire du comptage cellulaire est impératif. L'aberrométrie et pupillométrie pour mesurer, donc, comme on a dit, une pupillométrie qui est supérieure à 6 mm, donc proscrit donc, un implant parce qu'il y a un risque d'avoir beaucoup de problèmes de qualité optique par la suite. La biométrie, c'est un examen qui doit être effectué en préopératoire pour garder quand même donc la biométrie au cas où le patient développe une cataracte, quoique avec les biomètres optiques actuellement, même avec un implant FAC à l'intérieur de l'œil, les calculs sont assez précis. Techniquement, comment ça se passe la chirurgie? C'est en deux temps. Il y a le temps, un temps important qui est le temps de chargement de l'implant pour l'ICL. On prend donc la cartouche, récupérer donc l'implant et le mettre dans la petite rainure de la cartouche avec la petite allumette fournie avec l'implant. Et puis, à l'aide d'une pince, en évitant de toucher la partie centrale de l'implant, c'est-à-dire l'optique de l'implant pour ne pas l'abîmer, on ajuste l'implant dans la cartouche. Voilà, de telle sorte que la convexité donc, de l'implant soit vers le haut. C'est important pour l'orientation de l'implant. Et puis, donc, avec une pince en bec à canard, comme vous allez le voir, voilà, on passe de l'autre côté, on attrape donc l'implant, on ne tire pas, c'est plutôt la cartouche qui doit être poussée pour ne pas abîmer.
et voilà, jusqu'à donc positionner l'implant et puis donc mettre en fait l'injecteur. Après avoir mis la petite allumette à l'intérieur de l'injecteur, donc on pousse et on passe à la chirurgie. La chirurgie qui peut donc se dérouler soit sous anesthésie topique avec prémédication ou bien sous anesthésie générale selon les habitudes des médecins. Une petite parasynthèse donc à midi ou bien à 6 heures en fonction de l'œil qu'on opère et puis donc une bonne dilatation. C'est pas le cas de mon patient là qui était mal dilaté, donc avec un peu d'adrénaline et du visqueux, donc je puis avoir une dilatation correcte. Puis donc il y a des médecins qui préfèrent garder leurs habitudes et opérer à la tête du patient, ceux donc qui se mettent en temporal. Moi, je me mets en temporal. Je mets du visqueux qui est de faible densité, donc du méthylcellulose. Et puis donc le temps le plus important, c'est qu'il faut injecter l'implant de façon la plus douce et la plus orientée possible. Donc il faut pas se précipiter, attendre jusqu'à ce que les premières pattes se déplient, donc pour continuer à injecter la partie donc distale ou proximale plutôt donc de l'implant. Parce qu'il y a des risques de rotation de l'implant et il peut se mettre à l'envers, ce qui est un peu donc très embêtant. Dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas essayer de faire la rotation donc de l'implant, mais plutôt donc élargir l'incision et de retirer l'implant avec douceur et de le remettre dans la cartouche et le réimplanter. Par la suite, on met du visqueux au-dessus de l'implant et on met de façon donc douce les pattes une par une. C'est pour cela que j'ai insisté sur la dilatation. Quand le patient est bien dilaté, il suffit d'appuyer un peu sur la patte qu'elle se met sous l'iris. Là, donc ça met, quand le patient est moins bien dilaté, donc ça quand même donc il faut une petite gymnastique là pour le mettre derrière l'iris avec tous les risques que peut donc poser ces manœuvres. Et puis donc une fois que l'implant est derrière l'iris, il faut donc on passe au lavage du visqueux qui peut se faire soit donc avec une charlotte ou en appuyant sur l'incision donc pour chasser donc le viscoélastique et donc laver le viscoélastique, soit avec une pièce à main comme le préfèrent donc certains chirurgiens, avec la pièce à main et avec un lavage du viscoélastique. Tout en sachant que chez l'hypermétrope, il y a la petitesse de la chambre, une pièce à main à l'intérieur de l'œil, ça peut être à l'origine d'hernie de l'iris. Les hernies de l'iris, elles sont très embêtantes dans ce cas-là, donc moi je reste sur la solution simple de la canule de Charlet. Et puis par la suite, l'hydrosuture et l'injection d'un produit myotique pour resserrer la pupille. La surveillance, elle commence déjà dès les premières heures. Donc avant la sortie du patient, il faut contrôler la pression intraoculaire. La pression intraoculaire supérieure donc à 25 mm de mercure doit nous faire penser soit à une persistance du viscoélastique qui demande un lavage immédiatement, soit à des iridectomies qui sont non transfixiantes et qui doivent donc reprendre le patient soit au laserial pour les reperméabiliser. Il vaut mieux donc reprendre les patients donc à la clinique avant sa sortie que de revenir le soir la nuit, donc pour le reprendre dans des conditions qui sont moins confortables. Par la même occasion, donc cet examen va nous permettre d'évaluer un peu le volting, quoiqu'un volting faible durant les 24 premières heures n'est pas synonyme d'un mauvais sizing et que le volting il peut se corriger dans les jours qui suivent. Les complications à distance, il y a la qualité optique avec les halos, les éblouissements, les glaires, qui traduisent soit un volting élevé, soit un décentrement d'implant, tout en sachant qu'un petit décentrement n'a pas d'effet. Ce sont des décentrements importants qui peuvent donner des problèmes de qualité optique. Une large pupille, si on n'a pas respecté donc la pupillométrie qui doit être petite donc en préopératoire. Les complications endothéliales. Longtemps, on a parlé du risque sur l'endothélium, mais sachez qu'une chirurgie bien menée, avec techniquement, donc il y a durant la première année une perte cellulaire de 6 à 7 % des cellules endothéliales, et puis donc le rythme de perte cellulaire revient à la normale inférieure à 1 %. Tout comptage cellulaire inférieur à 1500 cellules par millimètre carré doit automatiquement faire penser donc à enlever l'implant pour ne pas arriver au stade d'œdème cornéen. La dispersion pigmentaire, les dépôts de pigments sur l'iole et les risques d'hypertonie oculaire aussi, comme vous le voyez sur les photos.
du côté droit, donc une UBM qui montre un implant avec un vulching qui est très important, un implant qui est protruit dans la chambre antérieure avec l'iris trop poussé. C'est des implants qu'il faut retirer parce que certes, le patient il va développer des complications d'hypertonie. La rotation de l'implant en rapport avec un mauvais sizing, une imprécision du sizing qui est minimisée. Quand il s'agit d'un implant hypermétropique torique, le résultat en général, on le perd. Donc à ce moment-là, il va falloir retirer l'implant et le remplacer par un implant adéquat côté sizing. Les cataractes post-implant FAC avec les anciennes générations des implants, ça a été très fréquent, mais actuellement, c'est de l'ordre de 2 pour 1000. Quand on mène une bonne chirurgie qui n'est pas sans, qui ne traumatise pas l'endothélium, ça peut être une cataracte soit qui ne traumatise pas donc le cristallin ou la capsule antérieure par une petite griffure. Ça peut être soit des cataractes post-traumatiques péropératoires, soit des cataractes en rapport avec un petit vulching et un contact implant cristallin. Elles peuvent avoir donc trois types, donc soit des opacités sous-capsulaires antérieures punctiformes asymptomatiques, soit comme le montre la photo, des opacités assez diffuses avec risque d'éblouissement et gêne importante, soit des cataractes qui sont nucléaires avec baisse de l'acuité visuelle. Et dans ce cas-là, c'est des opacifications préopératoires qui ont été pris en considération, qui ont mené à une cataracte beaucoup plus évoluée et qui nécessite l'extraction de l'implant et l'opération de la cataracte. En conclusion, sachez que les implants FAC et la chirurgie ablative soustractive, il n'y a pas de rivalité entre les deux techniques et chacune a ses propres indications. Que les implants FAC, c'est une chirurgie, il faut arrêter de les diaboliser, c'est une chirurgie qui est sécure si on respecte les indications préopératoires, si on évalue bien en préopératoire la réfraction, le sizing, la microscopie spéculaire, qui nécessite un apprentissage. Qui veut la faire, il doit être formé à cet acte opératoire qui est méticuleux et un bon suivi post-opératoire régulier est important. Je vous remercie. Merci Dr Zafat pour cette présentation sur les ICL et l'hypermétropie. On va passer à la particularité de la chirurgie de la cataracte chez l'hypermétrope avec professeur Raja Daoudi. Voilà, je vous remercie donc de m'avoir invité à participer à ce webinaire sur l'hypermétropie. C'est un sujet très intéressant et surtout les particularités de la chirurgie de la cataracte chez l'hypermétrope. Donc, tout d'abord, avant de parler de la chirurgie en elle-même, il est très important de faire une classification anatomique. C'est ce qu'on appelle les yeux courts. Parce que l'hypermétrope, nous avons vu la réfraction, nous avons vu la correction. Mais ce qui importe pour la chirurgie de la cataracte, c'est de connaître l'anatomie exacte de ces patients. Et donc, deux éléments importants pour faire cette classification, c'est la profondeur de la chambre antérieure et la longueur axiale. Et donc, de là, on va définir trois groupes qui sont intéressants à connaître avant d'opérer ces patients. Alors, le premier groupe, c'est le groupe 1. Bon, je l'ai appelé comme ça, 1. Donc, on a la chambre antérieure qui est étroite et la longueur axiale qui est diminuée. Et donc, qui dit chambre antérieure étroite, mais qui est très étroite, donc inférieure à 2 mm et une longueur axiale qui est inférieure à 20 et qui peut, dans certains cas, atteindre
des longueurs axiales de 14-16 mm. Et c'est ce qu'on appelle des nanophtalmies. Donc, heureusement que ce groupe n'est pas très fréquent. Il est à peu près 10% des patients. Et donc, dans la microphtalmie, on a la microphtalmie qui est complexe avec d'autres anomalies génétiques, des colobomes. Et c'est pas le sujet de notre communication. Et il y a la nanophtalmie simple. Donc, concernant la nanophtalmie simple, donc on a dit que la chambre antérieure est étroite et la longueur axiale est diminuée, inférieure à 20,5 mm. Souvent, c'est des patients qui présentent une hypermétropie forte, donc plus 12, plus 14, plus 16. Et surtout, la caractéristique, c'est qu'ils ont une sclère qui est très épaissie. Et cette sclère qui est épaissie, donc elle est facilement mise en évidence par l'échographie. Et c'est des patients qui peuvent présenter une effusion uvéale spontanée avant même toute chirurgie. Donc, ils ont une baisse d'acuité visuelle et quand on justement en fait toutes les explorations, ces patients présentent cette effusion uvéale et donc il faut pouvoir traiter cette effusion avant toute chirurgie. Et c'est des patients aussi qui peuvent présenter des crises de glaucome par fermeture de langue, comme on l'a vu, parce qu'ils ont une chambre antérieure très étroite. Bien sûr, il y a des risques opératoires, l'effusion uvéale, qui n'est pas spontanée, mais qui peut survenir au cours de la chirurgie, le glaucome malin, des décollements choroïdiens, et même un hématome choroïdien ou un hématome choroïdien. Alors, le deuxième groupe, c'est la chambre antérieure qui est étroite, mais la longueur axiale est normale. C'est ce qu'on appelle la microphtalmie antérieure relative. Et donc, dans ce cas de microphtalmie antérieure relative, ce sont des patients qui ont une hypermétropie modérée. Souvent, ils peuvent s'associer d'autres anomalies oculaires, une cornée aguttata, une pseudo-exfoliation capsulaire. Mais ce qui est important dans cette microphtalmie antérieure relative, il n'y a pas d'anomalie sclérale, il n'y a pas de risque d'effusion uvéale. Mais comme la chambre antérieure est étroite, il y a le risque de glaucome par fermeture de l'angle. Le groupe 3, c'est le groupe le plus fréquent où on a la chambre antérieure qui est normale, donc il y a moins de risques, et la longueur axiale qui est diminuée. Et en général, et ce groupe, c'est 80% des cas, c'est ce qu'on appelle l'hypermétropie axiale ou bien microphtalmie postérieure, c'est-à-dire la partie antérieure du globe est normale, mais c'est la longueur axiale qui diminue. Et là, bien sûr, c'est une forte hypermétropie, pas de complications péropératoires qui sont rattachées à l'hypermétropie, mais c'est surtout des erreurs réfractives dont on verra tout à l'heure comment prévenir ces cas. Alors là, c'est un schéma que j'ai emprunté au professeur Richard sur le journal Cataracte réfractive de 2015 qui montre justement que là, vous avez un œil qui est normal avec une structure antérieure et postérieure. Là, vous avez ce qu'on appelle la microphtalmie postérieure et où le segment antérieur est normal, mais la longueur axiale est diminuée. Vous avez la nanophtalmie où il y a la baisse, justement, la chambre qui est étroite et la longueur axiale qui est très diminuée avec l'épaississement scléral. Et il y a la microphtalmie antérieure, donc relative, où il y a une atteinte, une étroitesse de la chambre antérieure avec une longueur axiale normale. Et on dit qu'un œil est court, il est considéré comme court quand sa longueur axiale est inférieure à 22 mm. Alors, le calcul de l'implant, donc c'est une étape importante avant la chirurgie. La biométrie, elle doit être précise, c'est très important. Et il faut savoir qu'une erreur minime peut entraîner une erreur réfractive importante. Et comme vous le savez, quand il y a un millimètre de différence de longueur axiale chez un œil qui est normal, disons de longueur axiale supérieure à 23 ou égale à 23, vous avez une erreur de 3 dioptries. Alors que quand l'œil est hypermétrope avec une longueur axiale qui est diminuée, 1 mm peut donner des erreurs réfractives de 4 à 5 dioptries et même plus. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut insister sur une bonne biométrie. Et là, la biométrie optique reste la technique de choix est la meilleure actuelle parce que c'est une technologie qui associe l'interférométrie couplée au sub-source OCT. Et là, je fais pas de publicité à Zeiss, mais le Yulemaster 700 reste quand même un matériel de haute fiabilité, surtout sur ses yeux petits parce qu'il tient compte de la longueur axiale, de la kératométrie, de la profondeur de la chambre antérieure et du blanc sur blanc. Et on peut avoir une biométrie même sur des cataractes presque totales. Bien sûr, quand les cataractes sont dures, on est obligé de passer à l'échographie A. Et là, il faut préférer la méthode d'immersion
pour avoir le minimum d'erreurs. Alors les méthodes de calcul, les calculs, on a donc les formules de calcul, on a le OFRQ, et actuellement, bien sûr, la meilleure méthode qui donne plus de précision, c'est la méthode, c'est la formule OLEDAI 2 qui donne moins d'erreurs. Alors là, c'est pour vous donner, donc là, c'est une copie d'une malade que nous allons voir tout à l'heure. Et déjà, donc, sur la feuille que vous imprimez, vous voyez que c'est marqué « remarque œil court ». Donc, c'est écrit sur la feuille qu'on imprime. Et vous avez la longueur axiale qui est de 21. Et puis, surtout, regardez une profondeur de chambre antérieure qui est à 2,2. Donc, c'est une malade et qui a un implant de 28 dioptries. C'est une patiente dont on va parler tout à l'heure qui a fait une crise de glaucome par fermeture de langue dans un cabinet médical et que j'ai vu par la suite et elle a développé une cataracte. Donc voilà, il faut toujours vérifier. Là, c'est une autre patiente et là vous voyez donc il faut choisir la formule OLEDAI 2. Vous avez la longueur axiale à 20,94, une chambre intérieure de 2,53 et un implant de 30,5. Donc là, quand vous faites déjà ces biométries, vous avez une idée sur la difficulté de la chirurgie chez ces patients. Et donc, la puissance de l'implant, on va avoir donc des implants qui sont de forte puissance. Vous avez tout à l'heure vu donc 28, 30. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 50 dioptries. Mais les 50 dioptries, c'est surtout chez les nanophtalmes. Et il faut savoir que quand la puissance de l'implant est supérieure à 34 dioptries, il faut préférer ce qu'on appelle les piggybacks, mettre deux implants, un dans le sac et un dans le sulcus, parce que ces implants vont donner moins d'aberrations sphériques. Alors là, pour compléter le bilan, il faut faire, bien sûr, je l'ai pas mentionné ici, il faut faire une microscopie spéculaire quand vous avez le moindre doute sur la qualité de la cornée, parce que vous allez travailler dans une petite chambre. L'agonioscopie est un élément très important et justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de dilater vos patients qui ont une cataracte ou bien même pour une correction optique, vous voulez voir le fond d'œil, il faut bien regarder donc déjà la chambre antérieure et si vous avez le moindre petit doute, n'hésitez pas à faire une gonioscopie. Il faut aussi associer une UBM si vous avez un angle qui est étroit à la gonioscopie avec Ella, vous avez justement un angle qui est très étroit à l'UBM. Et là, c'est une patiente dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, qui est venue avec sa sœur. Pour elle, elle devait pas se faire examiner. Et quand elle est venue à la consultation, elle est hypermétrope de +4, +5. J'ai fait donc la gonioscopie, j'ai vu un angle étroit, voire fermé sur deux cadrans. Et justement, quand j'ai fait l'UBM, justement, c'est une flèche cristallinienne qui est augmentée et la patiente a été opérée ultérieurement avec, bien sûr, une iridotomie en préopératoire. Bien sûr, il faut compléter par une échographie si la cataracte est totale pour rechercher s'il n'y a pas de décollement choroïdien ou de décollement de rétine. Et là, c'est juste pour vous montrer, quand vous faites votre iridotomie, il faut toujours la contrôler par la suite pour vérifier est-ce qu'elle est perforante ou non. Donc, la technique chirurgicale proprement dite, donc vous avez l'anesthésie tout d'abord, on peut faire, donc même si vous avez des yeux qui sont petits, vous avez vu tout à l'heure des implants de 28, de 30, bien sûr, je ne parle pas de la nanophtalmie, donc on peut faire une anesthésie topique ou intracamérulaire si le patient est coopérant. Il faut éviter les péribulbaires parce qu'il va y avoir une congestion des vortiqueuses et vous risquez d'avoir des complications péropératoires. L'anesthésie générale dans les cas de nanophtalmie ou bien si le patient n'est pas coopérant. Et certains préconisent de mettre du mannitol en préopératoire s'il y a une hypertonie de 25 supérieure à 25 mm de mercure. Alors, la bande dilatation est très importante pour la chirurgie sur des yeux qui sont petits. Donc, on met une demi-ampoule systématiquement d'adrénaline dans 500 cc de BSS. Bien sûr, on dilate avec du midriaticum et si possible la niacinamide ou bien du midriacer. Et si malgré ça, vous n'avez pas une bonne dilatation, on peut mettre carrément dans la chambre antérieure un mélange d'adrénaline très peu d'adrénaline, 0,1 cc et 0,8 cc en chambre antérieure. On peut le faire systématiquement en chambre antérieure. Ça entraîne pratiquement pas de complications. Sinon, si vous ne pouvez pas avec ça, vous n'avez pas pu avoir une bonne mydriase, il faut céder des crochets qui vraiment nous rendent énormément service dans des cas pareils.
Alors, l'incision cornéenne, une incision soit de 2, soit il faut faire des petites incisions cornéennes pour éviter tout prolapsus. Il faut éviter, parce que vous avez déjà, il y a des cas où il y a les cornées déjà diminuées de diamètre, ou bien un 8 si vous travaillez avec la bimanuelle. Il faut éviter d'avoir un tunnel long, parce que si vous avez un tunnel long, vous allez avoir tous les problèmes pour l'orexis. Et non plus, il ne faut pas avoir un tunnel court, sinon vous risquez d'avoir un prolapsus de l'iris. Il faut s'aider de la visualisation par le bleu tripant pour la capsule antérieure. Ceci est important même en absence de cataracte blanche parce que ça permet de rigidifier. Et puis, si vous avez des complications, ça permet quand même de mieux voir la capsule antérieure. Le visqueux, moi, je préfère, et de loin, et même dans toutes les publications, du visqueux dispersif qui permet d'approfondir la chambre antérieure. Certains préconisent d'initier l'orexis au kystitum ou faire carrément un rexis avec les commandes distales pour les petites incisions. Il faut préférer la technique de Phacochop et surtout, il ne faut pas être avare de visqueux. Il faut mettre tout le temps du visqueux lourd. Éviter deux points importants, il faut éviter l'hypotonie péropératoire parce que quand vous avez une hypotonie, vous avez le rideau de la capsule postérieure qui va bomber et vous risquez d'avoir des complications et vous risquez d'avoir même les risques aussi d'effusion uvéale. Donc, il faut rester vigilant lors du retrait des instruments. Ceci est aussi très important. Avant de retirer votre pièce à main, si vous avez le moindre petit problème ou bien vous voulez passer à l'irrigation aspiration, il faut toujours injecter du visqueux avant de sortir. Comme ça, on garde toujours donc un bon tonus au niveau de l'œil oculaire. Bien sûr, sur ces yeux qui sont petits, il y a le risque de rupture capsulaire postérieure qui est fréquent. Il y a le risque de glaucome malin dont certains préconisent de mettre une goutte d'atropine en fin d'intervention. Et surtout, ne pas mettre de myocol en fin d'intervention, parce que il y a certains chirurgiens qui mettent systématiquement du myocol en fin d'intervention. Et donc là, faites attention si vous avez un œil qui est court. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, le risque d'effusion ou d'hémorragie choroïdienne. Donc, ce qui est important au cours de la chirurgie, il faut identifier la nanophtalmie avant d'opérer. Et ceci est très important. La technique actuellement plus ou moins codifiée pour éviter l'effusion uvéale, mais je vous assure, c'est pas toujours évident d'opérer des yeux dont la longueur axiale est de 15 et de 16 mm. Ça nous est arrivé de les opérer et je vous assure qu'avec une chambre très, très étroite, et le risque d'effusion est toujours là. Dans la littérature ancienne, on faisait des sclérectomies au niveau des cadrans inférieurs, donc temporal et nasal, soit dans le cadre de l'effusion uvéale pour la traiter. Donc, on a fait cette technique qui permet d'enlever une partie de la sclère sur un petit cadran de 3 mm jusqu'à mettre à nu à la choroïde. Mais actuellement, donc pour l'avènement, avec l'avènement de la FACO, donc depuis, et on travaille dans des chambres avec un tonus qui est vraiment bien spécifié, ces incisions sclérales, ces sclérectomies ne sont plus préconisées. Alors, certains préconisent actuellement pour éviter justement l'effusion uvéale. De faire chez yeux nanophtalmes une vitrectomie postérieure 25 gauche à la pars plana. On met un seul trocard. Ça permet de couper un peu le vitré antérieur pour relâcher cette capsule postérieure et permettre d'approfondir la chambre antérieure. Donc, c'est pas le but. C'est très difficile de pouvoir développer en 15 minutes toutes ces techniques. Mais c'est pour vous dire, bien sûr, la pars plana, il faut faire très attention. Est-ce que c'est un œil nanophtalme, la longueur axiale et tout ça, c'est des modalités un peu… Il faut bien les connaître avant d'opérer ces patients. Alors là, je vous parle d'un cas, c'est la malade dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est âgée de 74 ans, qui a fait il y a 2 ans exactement une crise de glaucome par fermeture de l'angle au niveau d'un cabinet médical, donc qui a été dilatée et n'avait pas de cataracte, mais c'était juste… pour une correction optique et la patiente, elle a fait une crise de glaucome. Donc, moi, je l'ai vue dans les suites opératoires et bien sûr, j'ai fait donc la gonioscopie au niveau de l'autre œil. On a fait l'UBM et on a fait l'iridotomie au niveau des deux yeux. Donc, elle était très bien jusqu'à pratiquement elle a été perdue de vue jusqu'au moment où elle fait sa cataracte. Et donc là, vous voyez, c'est une cataracte qui est totale. Je ne passe pas au fond d'œil. Et pourtant, j'ai eu les valeurs du biomètre par le Yolmaster 700. Donc, c'est la patiente qui a eu 28 dioptries.
Donc voilà, la dilatation était vraiment médiocre. C'était un tout petit peu moins que ça parce qu'en faisant la vidéo, j'ai dû couper la première partie de la vidéo. Donc vous voyez, donc j'ai mis de l'adrénaline carrément donc diluée en chambre antérieure qui m'a permis d'avoir une dilatation un peu meilleure. Je ne voyais pas la nécessité de mettre des rétracteurs parce que je vais compléter par la viscodilatation. Donc, je mets le bleu et j'ai gardé le bleu pendant un certain moment et regardé le Rexis. À un certain moment, je n'arrive plus à le voir correctement. C'est-à-dire que je pouvais laver encore le visqueux et remettre le bleu. Donc là, je reprends le Rexis en supérieur, donc une petite brèche, et puis je le termine donc en supérieur. Voilà, la visibilité est très médiocre parce qu'il y a déjà sa cornée, il y a le bleu qui n'a pas coloré très bien. Donc là, je coupe au micro-ciseau pour éviter que cela file, que le Rexis ne file. Et là, il ne faut pas laisser la petite languette là. Il faut aussi donc essayer d'arrondir le Rexis pour qu'il ne prenne pas au cours de la faco. Donc, je n'ai pas mis d'hydrodissection, mais j'ai juste mobilisé le noyau. Donc, je fais un sillon assez profond. Voilà, et puis pour faire ma technique de chope, donc j'ai partagé, et puis donc voilà, la visibilité était vraiment très 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 médiocre. Je comme disait professeur THX, j'opérais un tout petit peu dans le brouillard, c'est comme quand on te conduit dans le brouillard. Donc voilà, donc on fait le chope, on essaye de, tout en sachant que sur le côté temporal, je ne voyais pas très bien mon Rexis. Mais c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'hydrodissection pour ne pas avoir des problèmes et avoir donc une rupture postérieure. Donc, voilà, je continue ma faco. Je disais tout à l'heure que je pouvais remettre du bleu, mais il fallait vider la chambre antérieure et remettre le bleu. Et donc là, c'est des manœuvres que j'évite chez des yeux quand même hypermétropes. Donc, on peut utiliser la bimanuelle qui, voilà, l'implant de 28. Qui permettra, la bimanuelle permet d'aspirer en même temps, d'irriguer par deux voies au lieu d'avoir l'irrigation-aspiration. Donc, ça permet de maintenir une bonne chambre antérieure. Donc, on a mis en place l'implant. Toujours, j'avais une visibilité difficile sur le côté temporal de la... Mais j'ai mis mon implant dans le sac. Donc, j'ai terminé donc l'irrigation-aspiration. Et voilà, donc avec la charleuse, là, c'est important, c'est une technique. Vous pouvez... aspirer les masses sans pouvoir les retirer carrément, parce que pour ne pas avoir une hypotonie, vous essayez un peu de les délocaliser, et puis avec la pièce à main IA, après vous les reprenez pour reprendre ces masses. Donc il faut pas aspirer au maximum jusqu'à avoir une chambre plate. Juste vous aspirez et vous relâchez. C'est important parce que comme la dilatation n'est pas excellente, je voulais pas mettre les rétracteurs en fin d'intervention. Voilà, donc je les aspire par l'irrigation-aspiration. Et c'est ce qui est préconisé en cas des yeux courts. Il faut terminer donc en mettant une bulle d'air qui permettra de bien positionner le plan irien et d'éviter qu'il y ait une hypotonie dans les suites opératoires qui va générer peut-être des effusions uvéales. Donc voilà, on ferme bien. Certains préconisent de mettre un point si l'incision n'est pas étanche. Et voilà, je mets le Zinat avec, donc voilà, avec la bulle d'air. Et je vérifie l'étanchéité avant de partir. C'est très important. Même la porte-service, je la ferme bien. Je fais l'hydrosuture. S'il y a le moindre doute sur une perte d'étanchéité, il faut, voilà. Donc, je vérifie. Elle est très étanche. Donc, le deuxième cas, donc, voilà. Alors voilà le deuxième cas. Donc là, c'est la dame dont je vous ai parlé qui a accompagné sa sœur et chez qui j'ai trouvé un angle étroit, voire fermé. On a fait une iridotomie, c'est très important. J'ai dû faire l'iridotomie avant la chirurgie de la cataracte. Et donc j'ai attendu bien sûr un petit moment le temps que l'inflammation puisse disparaître avant d'opérer la patiente. Voilà, donc elle a un implant de, je pense, de 29 dioptries. Elle est âgée de 70 ans.
Voilà, donc voilà. Donc là, toujours le bleu, la petite incision de 2.2. On lave le bleu et je mets la viscodilatation. Là, elle avait une bonne dilatation. Elle avait une cataracte nucléaire très dense. Donc là, c'est le capsulorexis au temps réel. Donc doucement, il faut éviter que, le rexis ne file. Donc là, donc on fait l'hydrodissection, on mobilise le noyau. Et puis, de la même manière, on essaye de faire un phacochop. Je ne sais pas si vous avez constaté, peut-être qu'on le voit mal, vous le verrez tout à l'heure. Il y a l'iridectomie à ce niveau-là, voilà. Moi, je fais souvent les iridotomies vers 7 heures. Je trouve que c'est très bien. Même quand il y a un saignement, ça ne dérange pas. Et puis, donc, ça ne dérange pas aussi pour la chirurgie. Donc, phacochop, sans problème. Je pense que là, c'est… Donc, alors, voilà, justement, là, ce qui est important, je voulais vous montrer, c'est qu'au moment où je voulais retirer la pièce à main US, avant de la retirer, j'injecte le visqueux par la porte de service avant de sortir. Et ceci est très important, c'est la chose pour laquelle j'ai beaucoup insisté. D'ailleurs, il faut le faire même dans les autres cataractes, mais les cataractes chez l'hypermétrope, il faut absolument faire ça. Donc, vous voyez, donc je retire mon micromanipulateur, mais je garde la pièce à main en irrigation, et voilà, je mets beaucoup de visqueux. Vraiment, ça évite la poussée de la capsule postérieure vers le haut. Donc, l'IA, de la même manière, alors l'irrigation-aspiration, ce que je fais moi, c'est que au lieu d'utiliser le micromanipulateur, j'ai sur la main gauche la substance viscoélastique. Et donc, avant de sortir, de la même manière, j'ai le visqueux au niveau de la main gauche et ça m'évite de sortir et d'introduire le visqueux. Donc, vous voyez… Voilà, donc avant de sortir, je vais injecter, c'est pas un micromanipulateur, c'est le visqueux que j'ai au niveau de la main gauche. Voilà, donc voilà, c'est très pratique, ça évite beaucoup de complications. Et même dans les cataractes normales, chez le myope, chez voilà, avant de sortir, on met notre implant. Il faut bien laver le visqueux aussi. Peut-être que je n'ai pas insisté tout à l'heure. Il faut même laver derrière l'implant, devant. Il ne faut pas laisser le visqueux parce que ça peut générer une hypertonie dans les suites opératoires. Et des fois, même quand vous avez la pièce à main IA, vous pouvez mettre, au lieu de mettre le micromanipulateur, vous mettez une seringue avec du BSS et avant de sortir aussi, de la même manière, vous injectez du sérum. Ça évite la poussée de l'implant parce que là aussi, ça a été fait sous anesthésie topique. Et souvent, on peut avoir la poussée. Voilà, il faut bien fermer avant. Donc voilà, j'espère que j'ai pu transmettre les éléments les plus importants au cours de cette communication et sur la particularité des sujets hypermétropes. C'est une très bonne initiative de pouvoir discuter sur ce sujet parce que souvent on parle de la cataracte chez le myope, la cataracte chez patients vitrectomisés, mais l'hypermétrope, on en parle très peu et pourtant il y a beaucoup de surprises. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Daoudi, pour votre exposé très, très clair et très enrichissant. On a appris vraiment beaucoup de choses. Merci beaucoup, professeur Daoudi. Merci à vous. Je passe la parole à notre ami Mahmoud Zouhairi pour nous parler de l'hypermétropie et de l'hypertonie. C'est vrai qu'il a beaucoup de choses à dire, on va le laisser parler.
Bien, donc bonjour tout le monde. Donc pour cette et aussi merci pour cette initiative. Je remercie les modérateurs professeur Arachid Sersour et docteur Benkiren. Donc je viens de voir la communication du professeur Daoudi. Donc il y a beaucoup de choses communes. Donc sa présentation était magnifique, donc j'aurais pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce qu'elle a dit. Donc je passe sur les classifications de l'hypermétropie et juste je rappelle que avant toute dilatation, il faut faire absolument une gonioscopie chez tout hypermétrope parce qu'il y a un risque de crise aiguë de fermeture de l'angle. Juste je rappelle quelques paramètres qui sont à prendre en considération. Parce que sont importantes pour comprendre ce qui se passe chez yeux hypermétropes, particulièrement particulièrement pour les forts hypermétropes. Donc que cette homéostasie à l'intérieur de l'œil qui va permettre une pression intraoculaire de 15 mm de mercure, en fait il y a un ensemble de facteurs qui vont y contribuer. Donc d'abord il faut savoir que le volume intraoculaire total est de 6000 microlitres et que le volume de chambre antérieure il n'est que de 250 microlitres. Chambre postérieure, 60 microlitres. Que le débit d'écoulement est de 2 microlitres par minute. Que le débit sanguin intraoculaire est de 850 microlitres par minute. Et que la rigidité oculaire, qui est essentiellement liée à la rigidité sclérale, est de 0,77 mm par microlitres. Et enfin, la pression sanguine uvéale est de 75 mm de mercure comparé par rapport aux 15 mm de mercure. Donc, il y a de quoi avoir une bonne perfusion sanguine à l'intérieur de l'œil avec cette pression moyenne de 15 mm de mercure. Encore deux autres paramètres à connaître. La profondeur de la chambre antérieure normale varie entre 3,14 et 3,6. Et on va considérer que la chambre antérieure est réduite à partir de 2,5 mm de mercure, que l'épaisseur cristalline normale varie entre 4 et 4,45 mm, que la kératométrie moyenne normale varie entre 43 et 44 dioptries. Et enfin, n'oublions pas que ce sont des yeux chez les hypermétropes qui ont des petites papilles qui sont souvent pleines, ce qui veut dire des excavations qui apparaissent tardivement. Donc, ce qui nous amène aux modifications biométriques qui sont liées à l'âge, nous savons que les modifications cornéennes, en principe, se stabilisent tôt dans la vie et que c'est la puissance du cristallin qui va continuer à changer et qui va se modifier durant l'enfance et durant l'âge adulte. Ce qui nous amène à ce qu'on appelle le paradoxe du pouvoir réfractif du cristallin avec l'âge,
Qu'est-ce que c'est ce paradoxe? C'est que la taille du cristallin augmente progressivement avec l'âge, le cristallin devient plus bombé, donc ça veut dire qu'il va, normalement, il doit avoir un pouvoir réfractif plus important. Or, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde le graphique sur la droite? C'est que ce pouvoir réfractif du cristallin diminue avec l'âge et nous voyons apparaître des gens qui, à la base, n'étaient pas hypermétropes, devenir des hypermétropes. Et tout ceci est lié à une modification de l'indice réfractif en raison de l'accumulation des nouvelles couches cristallinienne, l'indice de réfraction du cristallin. Et à côté de ça, il y a d'autres modifications qui peuvent apparaître du volume et de la forme du cristallin qui peuvent être influencées par des morbidités comme la pression intraoculaire, comme le diabète, nous l'avons vu tout à l'heure, une hyperglycémie importante, l'inflammation, la cataracte. Mais la cataracte, il va modifier l'indice réfractif de façon à engendrer plutôt des myopies plutôt qu'une hypermétropie. Est-ce qu'il y a un lien entre la pression intraoculaire et le développement de ces anomalies réfractives? Ben, il n'y aurait pas d'association entre la pression intraoculaire dans les limites de la normale, bien entendu, et le développement des hémétropies axiales, par exemple dans les myopies. Parce que tout simplement, leurs pathogénies sont différentes. Et l'épaisseur du cristallin est plus élevée chez les hypermétropes. Pourquoi? Tout simplement, enfin par une explication qui a été avancée, c'est que l'accommodation pour la focalisation de l'image associée à une diminution de la profondeur de la cavité vitrine et la chambre antérieure aboutit à cette augmentation d'épaisseur du cristallin chez les personnes hypermétropes. À propos des facteurs de risque anatomique associés à l'hypermétropie, nous avons une cornée qui est plus fine, nous avons une chambre antérieure qui est plus aplatie, un cristallin qui est plus épais avec une longueur axiale qui augmente avec l'âge. Ça, ce sont les paramètres qui s'associent avec l'hypermétropie. Et ces paramètres à eux seuls ne peuvent pas ni expliquer ni être responsables d'hypertonie oculaire ou de fermeture de l'angle. Ils ne sont pas suffisants. Il y a d'autres paramètres qu'il va falloir rechercher, particulièrement par des examens ultrasonographiques, par l'OCT du segment antérieur, pour déterminer la position du cristallin et la flèche cristallinienne, c'est-à-dire sa position par rapport à une ligne qui joint les deux éperons scléraux. Ensuite, il y a un autre élément qui est important ici, qui est en rouge sur l'image en haut, qui est la distance qui sépare le trabéculum vers le corps ciliaire à 500 microns de l'éperon scléral, et non pas 550, 500 microns de l'éperon scléral. Et ceci mesure la rotation du corps ciliaire qui augmente avec l'âge. Et ensuite, nous avons l'épaisseur de l'iris et sa courbure qui vont jouer un rôle dans le développement des susceptibilités de fermeture de l'angle. Donc, en apparence, nous avons en fait un œil qui apparaît solide, l'œil hypermétrope, avec une sclère qui est épaissie, une choroïde qui est volumineuse, bien vascularisée, et une bonne filtration trabiculaire. Mais paradoxalement, derrière cette robustesse, se cache une fragilité qui est due au petit espace intraoculaire et qui ne laisse pas les différentes structures se développer d'une manière harmonieuse, ce qui va entraîner une augmentation du gradient de pression entre le segment antérieur et le segment postérieur. Ensuite, la chambre antérieure va rétrécir progressivement, particulièrement en rapport avec l'augmentation du volume cristallinien. Et ajouter à ça que toute intervention pour réguler cette pression peut aboutir à des complications. On va voir pourquoi. Est-ce que les hypermétropes font des hypertonies oculaires et des glaucomes primitifs à angle ouvert? D'après la Beverdam Study, oui, l'hypermétropie peut être associée à des glaucomes primitifs à angle ouvert également. Et cette étude a montré que la myopie est responsable de 60% d'augmentation de risque pour une hypertonie oculaire par rapport à un hémétrope. Et également, l'hypermétropie est responsable à un degré moindre de 40% d'évolution vers un glaucome primitif angle ouvert par rapport à un hémétrope. Donc,
comme dans la myopie, l'élévation de la pression intraoculaire ne serait pas liée à la longueur axiale, mais à d'autres facteurs pathogéniques. Ici, lorsque l'on regarde, lorsqu'on analyse les personnes qui ont une glaucome, qui ont fait un glaucome chronique par fermeture de l'angle, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les hypermétropies supérieures à 2 dioptries sont plus fréquentes, plus prévalentes chez les caucasiens et chez les mélanodermes par rapport aux asiatiques. Nous savons que les asiatiques sont plutôt des gens qui sont myopes. Et quand on prend comme valeur de comparaison l'équivalent sphérique par rapport à des patients glaucomateux et des patients contrôle, ben, on trouve que chez les hypermétropes, alors vous voyez sur tous les graphiques, il y a une ligne verte qui se détache en haut, aussi bien chez les Asiatiques, chez les Afro-Américains, chez les Hispaniques et les Blancs, les Caucasiens. Donc cette ligne correspond à celle des glaucomes chroniques par fermeture de l'angle que l'on trouve dans les équivalents sphériques en haut, donc au-delà de 0,5 dioptrie, de plus 0,5 dioptrie. Et quand on compare tout ceci par rapport à l'âge, dans cette grande étude multicentrique, et on compare par rapport également aux erreurs réfractives, on se rend compte que l'hypermétropie est associée beaucoup plus avec les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle que les glaucomes primitifs à angle ouvert, aussi bien chez les moins de 65 ans que chez les plus de 65 ans. Et ceci est retrouvé dans toutes les ethnies, que ce soit asiatique, caucasienne, hispanique ou les Afro-Américains ou les mélanodermes. Il y a le problème, c'est qu'il y a d'autres études n'ont pas retrouvé cette association entre hypermétropie et glaucome par fermeture de l'angle. Cette seule étude qui a été faite en Allemagne n'a pas retrouvé d'association significative entre les deux. Par contre, elle a identifié juste la profondeur de la chambre antérieure comme facteur de risque significatif associé au glaucome chronique par fermeture de l'angle. Donc, et à partir de là, et donc ils ont conclu qu'il va falloir faire attention pour prévenir les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle, de faire attention chez tous les patients en prenant en compte particulièrement la profondeur de la chambre antérieure. Donc, pour comprendre la pathogénie de ce glaucome primitif à angle ouvert, ben finalement, ce sont toutes ces valeurs biométriques donc, du segment antérieur, donc associées à d'autres anomalies, même au niveau du segment postérieur, qui vont aboutir avec l'âge, en fonction des habitudes alimentaires, en fonction du comportement, en fonction d'autres éléments, en fonction des éléments climatiques et même diététiques. Et tout ceci va aboutir à ces glaucomes primitifs par fermeture de l'angle. Il y a énormément d'éléments qui restent à étudier. Donc, ce qui nous amène à d'autres facteurs dont on parle de plus en plus, c'est la dynamique de l'UV. Et quand on regarde la dynamique de l'iris, au cours d'une dilatation, le volume irien va augmenter dans les angles étroits, alors qu'il se rétrécit dans les angles ouverts, paradoxalement. Alors vous voyez, donc, quand l'angle étroit, ben l'iris va s'épaissir, alors que quand l'angle est ouvert, il va se rétrécir. Ce qui est paradoxal, ça veut dire que quand il y a un angle étroit, ben, il a plus de chances de se fermer avec ces études qui ont été publiées par Florent Abtel et Philippe Denis. Et cette dynamique a été dénommée l'iris épons. C'est un iris, au fait, en raison d'une matrice extracellulaire qui est particulière au niveau du stroma irien, qui va faire que l'iris ne va pas permettre de libérer, ou il va garder un maximum d'eau à l'intérieur, va être gorgé d'eau à l'intérieur, et c'est pour cela qu'il ne peut pas se rétrécir par la contraction musculaire au cours de la dilatation. Et en fait, l'iris, on peut le diviser en 4 segments, et ça c'est grâce à l'UBM qu'on voyait sur l'image en haut. Donc, on s'est aperçu que finalement, la partie de l'iris qui est plus proche de l'angle, c'est celle qui s'épaissit avec l'âge, alors que la partie qui est dans la partie centrale, c'est celle qui s'amincit, et la région qui est juxta-pupillaire, c'est une région qui reste inchangée.
Lorsque l'on regarde un peu plus en arrière cette UV, on regarde la choroïde. Et on sait que la choroïde est plus épaissie chez les hypermétropes, particulièrement les hypermétropes forts. Et nous savons aujourd'hui, grâce aux travaux de Quigley, que cette expansion choroïdienne a une influence sur le segment antérieur. Parce qu'au fait, il va pousser le volume vitréen, il va pousser le bloc iridocristallinien vers l'avant qui va venir au contact qui va diminuer la profondeur de la chambre antérieure et venir en contact du trabiculum. Et en plus, donc, quand on regarde l'influence de l'UV, elle est encore plus importante de la choroïde, elle est encore plus importante que celle de l'iris, parce qu'il n'y a qu'à regarder la surface choroïdienne, elle est à 1000 mm², soit 7 fois supérieure à celle de l'iris. Nous avons un autre souci, c'est celui de drainage veineux par les vortiqueuses. Nous savons qu'il y a entre 4 et 5 vortiqueuses pour le drainage de la choroïde, mais là nous avons une choroïde qui est hypervascularisée, qui est épaissie, donc un débit sanguin qui est beaucoup plus important. Et en plus, ce sang veineux doit être évacué à travers une sclère qui est épaissie, ce qui va créer des résistances et ce qui va être à l'origine d'un gradient de pression veineux entre les compartiments intra- et extra-oculaires. Donc, ce qui va entraîner le fait que cette choroïde va devenir encore plus gorgée de sang veineux et apparaître encore plus épaissie. Sans oublier dans la circulation veineuse, il y a plus de soucis comparativement par rapport à la circulation artérielle. Il y a plus de thrombose et de problèmes d'évacuation. Mais il y a encore beaucoup beaucoup d'inconnus dans ce domaine et des études sont nécessaires. Une autre question que l'on peut poser, pourquoi certaines personnes font une crise aiguë de fermeture de l'homme alors que d'autres évoluent d'une manière chronique? La question reste encore sans réponse. Quelques paramètres biométriques significatifs ont été mis en évidence. Encore l'imagerie viendra au secours. Et parmi ces paramètres, comme vous voyez sur l'image en bas, qui a été publié par cet article de l'Académie sur ophtalmologie, et qui a montré que le volume de la chambre antérieure, et non pas la surface, je dis bien le volume de chambre antérieure, plus le volume irien joue un rôle dans la précipitation de ces personnes susceptibles de fermeture de l'angle vers une crise aiguë, plutôt vers la chronicité. Bien sûr, il y a d'autres facteurs comme la flèche cristalline également qui joue un rôle. Et d'autres facteurs sont encore à l'étude. À propos de la neuropathie optique dans les fermetures de l'angle, les papilles, nous le savons, sont de petite taille et s'excavent tardivement. Donc il va falloir faire attention. Une papille pleine ne veut pas dire obligatoirement qu'il n'y a pas de glaucome. Les fibres nerveuses sont serrées à l'intérieur d'un petit anneau, d'un anneau scléral très étroit, ce qui peut retarder l'apparition de ces excavations. Et l'aspect du disque optique peut apparaître également différent. Nous savons qu'après des crises aiguës de fermeture de l'angle, il va se produire une ischémie de la tête du nerf optique. Et c'est une fois que la crise est résolue, eh ben le nerf optique va retrouver sa vascularisation normale et son aspect tout à fait normal. Ce qui diffère par rapport à ce que l'on voit dans les glaucomes primitifs à angle ouvert et ce que l'on voit plus ou moins également dans les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle. Et à propos du champ visuel, c'est plutôt le PSD, qui est le pattern standard deviation, qui va être le plus affecté et ceci en rapport avec des altérations plutôt diffuses liées à ces crises aiguës de fermeture de l'angle et également à des glaucomes chroniques par fermeture de l'angle qui s'accompagnent de crises intermittentes également de fermeture de l'angle qui passent inaperçues. Qui veut dire que quand les altérations apparaissent, généralement, les choses ont énormément évolué et les choses vont en plus progresser d'une manière très rapide.
Donc, nous avons vu tout à l'heure de magnifiques classifications entre les hypermétropes avec une longueur, avec une longueur axiale quasiment normale, les microphthalmes, les antérieurs, les postérieurs, les manononophthalmes. Je passe. Donc, nous avons vu également la définition de l'anophthalmie, bien que cette définition elle est variable d'un auteur à l'autre en fonction d'un certain nombre de critères qui peuvent être retenus par certains auteurs et d'autres retiennent des critères un petit peu différents. Mais d'une manière générale, deux critères importants, c'est celui de la valeur de l'hypermétropie et celui de la longueur axiale qui sont retenus. Il y en a d'autres qui retiennent en plus l'épaisseur de la sclère, l'épaisseur de la choroïde pour définir la nanophthalmie. Je vais pas, je passe sur les problèmes pendant l'enfance, mais surtout chez l'adulte, les complications sérieuses vont menacer l'acuité visuelle, particulièrement par la fermeture de l'angle, par des problèmes au niveau du segment postérieur, au niveau de la rétine, particulièrement au niveau de la macula, avec l'apparition de plis maculaires, de plis rétiniens, de démaculaires et même de décollements rétiniens exudatifs. Et nous savons que chaque fois que l'on procède à une manœuvre pour baisser la pression intraoculaire chez ces patients-là, on s'expose à des complications majeures. Donc, il faut faire très attention. Et qu'il y a dans la nanophthalmie, donc, qui peut être responsable à ces complications, mais toute hypermétropie forte, même sans les conditions ou les définitions, les paramètres qui définissent la nanophthalmie, à chaque fois que la longueur axiale est supérieure à 20, est inférieure à 21-22 mm, même si le globe est harmonieux, les mêmes complications que l'anophthalmie restent possibles. Donc, devant ces yeux, donc, au fait, nous sommes confrontés à des orages de tout type qui apparaissent brutalement. Nous avons des hypertonies oculaires majeures avec des crises aiguës de fermeture de l'angle, une effusion uvéale brutale, des glaucomes malins, et on sait ce que c'est un glaucome malin, etc. Donc ce sont des situations d'urgence. Et les chirurgies du segment, les chirurgies du segment aussi bien antérieur que postérieur comportent beaucoup de risques. Donc il faut qu'un chirurgien soit expérimenté parce que nous savons quand on commence, par quoi on commence, mais nous ne savons jamais comment ça peut finir, aussi bien en pour-opératoire qu'en post-opératoire. Devant un glaucome chronique par fermeture de l'angle, la prise en charge, bien sûr, elle est basée sur le fait qu'il va falloir réduire les fluctuations de la pression intraoculaire. La pilocarpine peut aider, mais elle a beaucoup d'effets secondaires. On aurait bien aimé donc un myotique qui aurait moins d'effets secondaires. Particulièrement, ça favorise l'apparition des sinichés antérieurs périphériques, ça favorise l'apparition du glaucome malin, ça favorise également des déchirures rétiniennes. Il faut contrôler l'inflammation lorsqu'il y a une inflammation parce que ça a été rapporté, ça a été démontré que quand on contrôle bien l'inflammation, le pronostic visuel final est meilleur. Et en plus, nous avons moins de sinichies antérieures périphériques. Les antiglaucomateux les plus privilégiés, c'est les bêta-bloquants, la brimonidine, les inhibiteurs d'anisase carbonique. Mais paradoxalement, on peut dire que l'ongle, puisque l'ongle est fermé, même s'il y a des sinichies antérieures périphériques, puisque les prostaglandines également marchent sur la voie uvéosclérale, ces prostaglandines n'auront pas d'effet. Au contraire, toutes les études ont démontré que les prostaglandines marchent, même si l'angle est fermé, donc on peut tout à fait les donner. Mais d'une manière générale, ce sont des patients qui répondent mal aux antiglaucomateux et ils évoluent vers l'apparition des sinichées antérieures périphérique extensive avec des hypertonies élevées, là où l'IP et l'iridoplastie périphérique sont inefficaces et en plus elles peuvent entraîner des complications. Donc là, je rejoins mon ami professeur Daoudi par rapport à tout ce qu'elle a rapporté comme information sur l'extraction du cristallin ou la cataracte chez l'anophthalme. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit. Donc juste rappeler que l'étude Eagle
a démontré qu'il y a un bénéfice supérieur par l'extraction du cristallin par rapport à une IP de première intention. Donc, mais il faut bien sûr faire attention chez les hypermétropes. Enlever un cristallin, ce n'est pas banal et ça expose à des complications. Et sans oublier également que un glaucome mais, chez un hypermétrope avec des fermetures itératives de l'angle iridocornéen, même si on ouvre cet angle, eh ben, le trabéculon peut être endommagé et la pression intraoculaire reste élevée en post-opératoire. Donc, tout à l'heure, ça a été largement détaillé par professeur Daoudi. Donc, la difficulté du calcul d'implants. Donc, il faut se baser sur des formules qui sont dédiées ou qui sont spécifiques aux hypermétropes. Donc, avec toutes les erreurs que ça peut engendrer, que le piggyback et lorsqu'on a des implants de forte puissance de 40 à 50 dioptries, c'est une bonne alternative chez nous, en tout cas, parce que on peut avoir accès à des implants de forte puissance jusqu'à 40, 45, voire 50 dioptries en Europe. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles chez nous. Il faut absolument éviter toute hypotonie pendant notre intervention chirurgicale, donc, et éviter toute hernie de l'iris à la parasynthèse qui pourrait venir aggraver la situation. La incision générale, ça a été détaillé tout à l'heure, est préférable. Et puis, si la chambre antérieure est plate, si malgré un viscoélastique dispersif et lourd qui a été mis en place pour approfondir la chambre antérieure, nous n'avons pas réussi à approfondir la chambre antérieure, donc il y a un gros risque aussi bien pour l'endothélium cornéen que pour mener également à bien cette extraction du cristallin, ben, il va falloir approfondir la chambre antérieure en pratiquant une vitrectomie postérieure pour enlever un petit peu de vitrée et c'est quelque chose qui marche très très bien. Il faut une bonne gestion péropératoire. Bien sûr, la phacoemulsification a énormément modifié le pronostic chez ces patients. Donc, l'extracapsulaire n'a pas de place. Donc, on pourrait tenter lorsque la chambre antérieure est profonde, ben, surtout il faut éviter. Il faut absolument chercher à approfondir la chambre antérieure par d'autres moyens. Il faut être généreux dans l'utilisation des viscoélastiques. Les mainteneurs le mainteneur de chambre antérieure peuvent être utiles et particulièrement chez ces patients non-ophtalmes, chez les patients forts hypermétropes avec une chambre antérieure très étroite. Ces mainteneurs de chambre antérieure sont faciles à mettre en place. Juste un couteau vin gauche et placer donc un terminal lié à une infusion faite à une hauteur qui permet de maintenir 10 ou 12 mm de mercure tout au long de l'intervention et ça permet d'éviter pas mal de complications. Bien sûr, il est recommandé par certains auteurs de faire des amincissements scléraux, chose que sincèrement je ne fais pas. Et puis, à la moindre découverte, au moment de l'intervention chirurgicale d'une effusion uvéale, d'un décollement hémorragique de la choroïde, il faut être réactif immédiatement et drainer le liquide dans la partie où il est le plus important, le plus volumineux, ou drainer le sang par une incision sclérale. Il faut être réellement très réactif pour avoir de bons résultats. Donc ici, l'exemple d'un anophthalme chez qui j'avais d'abord pour essayer de baisser la pression intraoculaire, j'ai fait un diode transscléral. Et le diode transscléral, nous savons, il a en plus, vous voyez, cet œil très 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 court et très petit. La longueur axiale était de 15 mm. Avec un très très, nous avions besoin d'un très grand, d'un implant de forte puissance. Donc ici, j'ai choisi de, après le diode, j'ai attendu à peu près 2 mois, donc sans atteindre une pression intraoculaire cible. Donc j'ai pratiqué une chirurgie combinée
Alors, comme vous le voyez ici, donc, vous voyez, j'essaie de rentrer la chambre intérieure plate, je touche l'iris, ce qui n'est pas du tout bon. L'iris, c'est quelque chose qui doit être absolument respecté durant l'intervention. Et vous voyez, donc, j'essaie encore, je mets du visqueux, et ben, je vois que l'iris est en train de vouloir venir vers l'extérieur, cerner. Donc, j'ai arrêté tout de suite et, comme vous avez vu, donc, j'ai fait une vitrectomie postérieure. Donc, juste enlever un petit peu de vitrée, ce qui a permis d'approfondir la chambre antérieure. Et ensuite, donc, l'urexis qui a commencé à filer. Donc, je l'ai complété au ciseau, comme vous le voyez. Donc, et ensuite, j'ai essayé, donc, tant bien que mal, donc, de sortir ce cristallin ou ce noyau de son sac capsulaire et de le facoter dans la chambre antérieure, mais toujours sous une protection maximale de l'endothélium. Et ensuite, j'ai rajouté des goniosénéchiolis. Vous voyez, ça saigne un petit peu. Et puis ensuite, j'ai injecté le premier implant que j'ai mis dans le sac. Ensuite, j'injecte le second implant en piggyback. Voilà. Donc, je place mon implant. Ensuite, je lave. Là, il faut faire un lavage soigneux du viscoélastique. Et bien entendu, je ferme ici mon incision. Et ensuite, je passe à ma trabiculectomie que je pratique comme d'habitude. Trabiculectomie, iridectomie. Et puis, juste sur ces yeux-là, surtout ces yeux, il faut absolument éviter en post-opératoire toute hypotonie qui peut être à l'origine de complications. Donc, ce sont des sutures ajustables qui sont bien serrées. Je préfère avoir un 20 mm de mercure le lendemain plutôt qu'un 2 ou 3 mm, voire même un 10 mm de mercure. Donc, les scléroctomies prophylactiques, on en a parlé tout à l'heure. En post-opératoire, ça a été déjà développé. Donc, l'effusion uvéale, le glaucome malin. Donc, bien entendu, comme j'ai dit, le diode transscléral peut nous aider. Mais si ça ne marche pas, la vitrectomie postérieure, en établissant une communication avec la chambre antérieure, ça permet de régler le problème. Après chirurgie réfractive, par rapport à l'ICL, faire attention au sizing, particulièrement à l'oversizing, faire attention au vaulting, surtout quand c'est supérieur à 600 microns, faire attention aux iris plateaux qui peuvent aussi modifier la prise en charge, faire un bon lavage du viscoélastique, faire attention au fait qu'il peut y avoir des dispersions pigmentaires suite à ces implantations et le risque de bloc pupillaire et l'IP, particulièrement lorsqu'il y a ces ICN ne sont pas équipés de trous centrales. Sans oublier qu'il y a des crises aiguës de fermeture de langue qui ont été également rapportées en post-lasique, mais c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et sans oublier que l'utilisation de cortisone en post-opératoire peut être à l'origine de glaucome cortisonique. Et pour conclure, l'hypermétropie particulièrement forte doit faire suspecter la nanophthalmie, la microphthalmie antérieure-postérieure. Donc on doit absolument, et ça a été bien détaillé tout à l'heure par professeur, je perds mes mots, Daoudi, donc avec un examen soigneux, et ensuite mesurer la longueur axiale, la profondeur chambre antérieure, la gonioscopie, la flèche cristallinienne, chercher les anomalies associées du segment postérieur, si association syndromique, faire une enquête familiale. Le suivi doit être rigoureux, la prise en charge doit être précoce et adéquate. Il ne faut pas laisser ces gens évoluer parce que la progression et l'évolution peut être dramatique et catastrophique pour ces gens-là, pour ces patients. La gestion thérapeutique des hypertonies oculaires et des glaucomes est réellement complexe et l'expose à des complications parfois dramatiques. Donc, il faut vraiment avoir une expérience pour pouvoir appréhender ce genre de chirurgie. Je vous remercie. Merci, cher ami. Oui, ça avance, Michel. Alors, merci, cher ami, c'est Zureli, pour cet exposé complet.
Et on termine par des lentilles de contact et COVID-19. Et quelles précautions? C'est d'actualité par professeur Hassan Al-Ammari. Merci, docteur Sersour. Donc, je vais parler d'un sujet qui pose problème à beaucoup de personnes, les lentilles de contact et le Covid. Juste pour rappeler que l'adaptation aux lentilles de contact, c'est un geste médical qui impose un examen ophtalmologique complet avec notamment un examen soigneux de la surface oculaire. Et en ce qui concerne les lentilles de contact et le Covid, on peut se poser trois questions aujourd'hui. Est-ce qu'on peut maintenir la consultation de contactologie dans ces conditions? Est-ce que la téléconsultation peut marcher en contactologie? Et est-ce qu'il y a un danger à porter ces lentilles de contact? Alors avant de répondre à ces questions, on va faire le tour de ce qu'on sait aujourd'hui. On sait que le virus, le coronavirus ou le Covid-19 est un virus à ARN encapsulé, ce qui fait de lui un virus peu résistant, qu'il a une enveloppe en lipides qui est facilement détruite par le savon, le vinaigre ménager, les solutions hydroalcooliques, l'alcool, etc. Il pénètre dans les cellules grâce au récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et on ne sait pas jusqu'à présent s'il y a vraiment ces récepteurs au niveau de la conjonctive. Et on sait également que la durée d'incubation est de 10 à 14 jours, ce qui favorise la diffusion de ce virus. Alors, il se transmet le plus souvent par les gouttelettes de feu, c'est-à-dire ces petites gouttelettes d'aérosol qu'on émet en parlant, en éternuant, en toussant. Et le virus peut vivre jusqu'à 3 heures au maximum dans ces aérosols. Le contact direct avec une main infectée ou bien le contact avec une surface contaminée. On ne sait pas quelle est la durée de vie du virus sur les différentes surfaces, mais on sait que sur le plastique, par exemple, il peut vivre jusqu'à 6 à 8 heures et sur l'acier jusqu'à 6 heures. Alors, que sait-on pour les yeux? On sait que le virus a été isolé chez un seul patient sur 30 cas de pneumonie à coronavirus. Au niveau des sécrétions, au niveau des larmes, et chez 17 patients atteints de Covid-19, chez lesquels on a prélevé 64 échantillons et dont un avait une conjonctivite, le virus n'a pas été isolé chez aucun patient. Alors, les conjonctivites chez les patients Covid-19 représentent moins de 3% de ces patients. Donc, ce qu'on peut conclure pour ça, c'est que ce qu'on sait actuellement, c'est que la transmission du Covid-19 via les larmes est très faible. Et les lentilles de contact, alors qu'est-ce qu'on sait sur les lentilles de contact? On sait que les autres infections virales comme l'adénovirus qui est particulièrement contagieux ne sont pas plus fréquentes chez le porteur de lentilles par rapport aux autres. On sait aussi que le porteur de lentilles touche ses lentilles avec ses mains qui risquent potentiellement d'être contaminées, mais si le patient respecte les règles d'hygiène de port de lentilles, ça va le protéger. Et on sait aussi que les solutions d'entretien sont actives sur l'herpès simplex virus et sur l'HIV, donc en conséquent, et sont probablement actives aussi sur le coronavirus. En ce qui concerne la sécurité de port, sur 1276 porteurs de lentilles suivis pendant 2 ans, seuls 82% n'ont présenté aucune complication. Les kératites microbiennes sur lentilles souples, qui sont les plus fréquentes, sont retrouvés sur 2 cas sur 10 000 en port journalier et 20 cas sur 10 000 en port prolongé. Donc c'est une complication qui est relativement peu fréquente. Et les facteurs de risque essentiels, c'est la mauvaise hygiène des mains, des lentilles et de l'étui, c'est le port nocturne, l'association à des infections respiratoires, le tabagisme et l'utilisation de la lentille de contact au-delà de sa durée de validité. Alors ce qu'on ne sait pas jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a aucune étude qui nous dit que le virus se lie un peu plus au matériau des lentilles. On ne sait pas est-ce qu'il y a une différence entre les différents matériaux disponibles. L'hydro, est-ce qu'il se fixe plus sur les lentilles hydrogel ou sur les silico-hydrogels? Est-ce que les cycles de remplacement journalier, hebdomadaire ou bimensuel ont un effet sur la transmission du virus par ce moyen? Est-ce que les solutions d'entretien sur le virus sont actives sur le virus? Mais probablement oui, parce qu'ils entraînent une saponification de l'enveloppe et donc une destruction de l'iris.
Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur toute cette littérature? C'est que le risque de transmission du virus par les larves est très très faible et que les porteurs de lentilles de contact ne sont pas plus susceptibles de contracter le Covid-19 que les autres patients et que les bonnes pratiques de port de lentilles de contact protègent ces patients. Alors, il y a certaines personnes qui disent que les lunettes protègent. Il faut savoir d'abord que les lunettes standards sont différentes des masques et des visières de protection. Il faut savoir aussi que le virus survit sur les facettes d'une monture pendant 9 jours et sur les plaquettes de silicone d'une monture de lunettes pendant 5 jours. Donc le porteur, en plus de ça, va toucher son visage avec des mains non désinfectées plusieurs fois par jour pour remettre ses lunettes en place, pour les retirer, etc. Et donc les lunettes personnelles doivent également être lavées à l'eau et au savon régulièrement et séchées avec une serviette à usage unique. Alors si on veut répondre aux trois questions qu'on a posées au départ, est-ce qu'on a le droit de maintenir la consultation de contactologie? Donc actuellement et selon les connaissances actuelles et les différentes études qui ont été menées jusqu'à présent, il n'y a aucun risque à maintenir la consultation. Donc, on connaît très bien actuellement les règles d'hygiène du port des lentilles, on connaît également les mesures barrières classiques qu'il faut maintenir dans une consultation courante. Mais si c'est en plus de ça, c'est un patient qui était déjà porteur de lentilles, il faut bien sûr que le médecin se désinfecte les mains à la solution hydroalcoolique à chaque contact, mais il faut lui demander de manipuler ses lentilles tout seul, c'est-à-dire que s'il faut les retirer, il doit les retirer lui-même, ou s'il faut tester une nouvelle lentille, c'est lui qui doit la mettre. Et avant de lui remettre la lentille, il faudra désinfecter le blister de la lentille avec une lingette désinfectante. S'il s'agit d'une nouvelle adaptation, là, le médecin est obligé lui-même d'agir. Alors, les indications absolues doivent être maintenues, si c'est un kératocone, si ce sont des verres scléraux pour des problèmes de surface oculaire. Les indications esthétiques sont à maintenir si le patient le souhaite. Mais toujours dans le respect absolu des règles d'hygiène de port de lentilles et des mesures barrières, il faut se désinfecter les mains avant de toucher le patient à chaque fois qu'on le touche. Et toute lentille d'été utilisée doit être désinfectée selon les règles habituelles. Donc ça, ce sont les recommandations de la SFOLAC en ce qui concerne les installations sanitaires du cabinet, la prise de contact, le renouvellement et les nouvelles adaptations. Alors, est-ce qu'on peut permettre une téléconsultation en contactologie? Alors, la complication la plus grave des lentilles de contact, c'est les infections. Donc, toute suspicion d'infection impose une vraie consultation en urgence. La téléconsultation en contactologie ne peut concerner que, par exemple, le renouvellement des lentilles de contact. Et là encore, il faut se renseigner. Est-ce qu'il n'y a pas de plainte fonctionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas de rougeur, de douleur, d'inconfort de port? Faire répéter par le patient comment il porte ses lentilles et comment il les entretient. Et surtout, donc, il faut retenir qu'au moindre doute, il ne faut pas hésiter à faire venir le patient. Alors, est-ce que le port de lentilles de contact est dangereux? Les études actuelles ont montré qu'il n'y a aucun danger. Il faut respecter les règles d'hygiène. Préférer chaque fois que possible des lentilles à renouvellement journalier. Sinon, si on utilise des lentilles à renouvellement fréquent, il faut préférer le port journalier et éviter le port nocturne ou le port continu, sauf pour l'orthoca où on est obligé de les mettre le soir. Donc ça, ce sont les règles d'hygiène de la SFOLAC en ce qui concerne l'hygiène du patient, en ce qui concerne le port et l'entretien des lentilles et les pratiques sûres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas, quelles sont les précautions chez les porteurs de lentilles qui sont en contact avec des personnes infectées? Et il s'agit là soit de parents de patients infectés, soit de personnel médical ou paramédical qui s'occupe des patients Covid-19. Alors si le port des lentilles est nécessaire parce que le patient a une forte, parce que pour une kératocone ou pour une forte hyperamétropie, il faut maintenir le port. Par contre, quand il s'agit d'une indication esthétique, c'est-à-dire pour une petite myopie ou bien pour une hypermétropie, il est préférable d'arrêter le port et de le suspendre le temps que cette pandémie soit terminée. Si le patient est positif au virus, là, tout le monde est d'accord qu'il faut arrêter le port de lentilles de contact, passer aux lunettes qui doivent être lavées à l'eau et au savon plusieurs fois par jour. Et à la guérison, il faut reprendre le port des lentilles, mais avec des lentilles neuves, un étui neuf et des produits d'entretien neufs. Donc ça, ce sont les 5 faits à communiquer aux porteurs de lentilles et de lunettes. Et vous pouvez continuer à porter vos lentilles. De bonnes règles d'hygiène sont essentielles. Les lunettes ordinaires ne font pas office de protection. Ne pas toucher le visage avec des mains non lavées. Et si vous êtes malade, arrêtez temporairement de porter des lentilles de contact. Donc en conclusion, le port de lentilles de contact doit être maintenu. La consultation de contactologie peut être faite pour toutes les indications, même les indications esthétiques, si le patient le souhaite, en respectant les règles d'hygiène.
La téléconsultation, à mon sens, doit être très limitée en contactologie parce qu'on expose le patient à des risques majeurs comme l'infection cornéenne. Et tout patient infecté par le Covid doit arrêter le port de lentilles de contact. Si on est obligé d'arrêter le port de lentilles de contact, la reprise du port doit absolument être faite avec de nouvelles lentilles, avec un nouvel étui, avec de nouveaux produits d'entretien. Et je vous remercie. Merci, professeur Hassan Al-Ammari. On a terminé notre programme. Merci, professeur Hassan Al-Ammari. On vient d'achever notre programme. Avant de passer aux recommandations, il y a plusieurs questions à nos chers orateurs. On commence par professeur Bin Chilifa. Il y a une question sur Dr. Younes. Quel est votre protocole midriatiquant pour obtenir la cycloplégie? Professeur Bin Chilifa. Alors, je rappelle, le midriatiquant, c'est pour dépanner et pas le vent cycloplégique. Actuellement, on utilisait un flacon de cyclopentol commun pour tous les patients. Là, avec le Covid, on prend plus de précautions. Donc, on ne peut plus se permettre d'utiliser le même flacon pour tout. Donc, en attendant donc, des jours meilleurs, le midriatiquant utilisé en même protocole de cyclopentolate. Tout à T0, T5, T10 et une réfraction 45 à 60 minutes après la première goutte. C'est un produit aussi intéressant chez les bébés. On l'utilise, ça permet de voir et le fond 2 et d'avoir une réfraction de départ. Donc, c'est le même protocole que le cyclopentolate. Oui. Une autre question, docteur Romain. Si je peux juste rebondir par rapport au fait que le flacon, c'est difficile de l'utiliser, de le réutiliser pendant la période Covid. Donc, juste, il y a une idée qui nous avait été soufflée par docteur Jalal Abrakan d'Algérie, c'est qu'on peut prendre le flacon, celui de midriaticum, de cébizine, etc., et on peut mettre le contenu dans une seringue, donc bien sûr dans des conditions de stérilité pas absolues, mais un minimum, et ensuite on dispatche 0,2 à 0,25 ml dans chaque seringue à insuline et on les confectionne et on les laisse comme ça on a quasiment des unidoses donc qu'on peut garder, qu'on peut utiliser, réutiliser. C'est une bonne technique pour s'affranchir de ce problème de flacon à utiliser donc avec les risques de contamination. Voilà. Oui. Merci Cizoué. Pour cette information, elle est très intéressante parce que là, on a l'appui d'utiliser des flacons pour patients, pour deux ou trois patients. Exact. Une autre question du docteur Omar. S'il vous plaît, une question pour professeur Bouchérifa, pour le cas de l'enfant Walid, 6 ans. Son signe fonctionnel chez qui l'examen du dépistage a trouvé forte hypermétropie ODG. Quelle serait la correction prescrite? Alors, comme il s'agit d'un grand enfant, comme il n'a pas de troubles oculomoteurs, je suis partie pour une sous-correction optique de 1 dioptrie. Alors, la valeur de cette sous-correction est le consensus entre les praticiens. Alors, cette correction va aider l'enfant à nuire, à aider son éveil général. D'ailleurs, ce sont des enfants qu'on voit se transformer. Comme la docteure prochaine, un hypermétrope non corrigé, c'est un hypermétrope qui est rêveur, qui est dans son monde. Donc, vraiment, c'est presque mis à l'écart. Mais une fois corrigé, les parents viennent nous dire « Ah, mon fils s'est transformé, on ne le reconnaît plus, il est devenu réactif, il participe, il est épanoui, donc ce n'est pas la même qu'avant correction optique. » Donc, il faut corriger, d'autant plus que c'est une forte hypermétropie, et donc on se corrige dans ces cas-là. Dernière question, professeur Benchilifa. Il y a aussi la technique de réfraction binoculaire qui donne la réfraction la plus convexe, souvent sans besoin d'une cycloplégie. Est-ce que vous avez un message concernant la cycloplégie?
Donc, alors, je vais répondre à cette question parce que, donc, pour la réfraction, effectivement, la réfraction se fait en monde et en binoculaire. La réfraction en binoculaire va, donc, c'est pour affiner la retrouvée. On réutilise les mêmes tests, c'est-à-dire le test de brouillard et le test de, et le test vert rouge. Mais ceci, ça ne joue pas le rôle de la cycloplégie. La cycloplégie, chez un jeune, chez un enfant, il faut la faire. On peut céder cette réfraction binoculaire chez un presbyte hypermétrope, parce que la prescription de la presbytie hypermétrope, notamment chez le jeune hypermétrope, donc 45, que là, on peut se permettre de faire la réfraction de loin en binoculaire pour décider aussi de l'addition pour tion. Mais la cycloplégie, il faut la faire. Tant qu'on peut la faire, il faut la faire. Donc, personnellement, dans ma pratique quotidienne, je fais beaucoup, beaucoup de cycloplégie. Donc, le message est bien retenu. Et je passe à professeur Hajji et docteur Prochain. Une question, bonjour, s'il vous plaît. Vos retours par rapport aux lentilles progressives. Alors, bon, pour tout ce qui est hypermétropie, c'est vrai que pour les lentilles progressives et hypermétropie, ça trouve vraiment toute son indication à partir de 2 dioptries. Et généralement, c'est des lentilles multifocales. Avec, on pourrait utiliser soit des géométries asymétriques ou bien symétriques. Généralement, on a d'excellents résultats avec les hypermétropes. Faudrait par contre éviter tout ce qui est monovision, contrairement vraiment au myope. Sinon, pour les adultes jeunes, on préfère surtout saturer au maximum l'hypermétropie. Ça va donc nous faire gagner quelques années avant de passer à une multifocalité. Merci, merci infiniment. Question professeur Daoudi. S'il vous plaît, j'aurai une question professeur Daoudi. Quelle hauteur optimale du flacon de perfusion permettrait de diminuer le risque de poussée vitréenne? Merci. Professeur Daoudi, je reprends la question. Oui. Micro. Je reprends la question à professeur Daoudi. Oui. C'est bon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous avez entendu la question, professeur? Oui, oui. La hauteur optimale de perfusion en cas d'hypermétrope. Donc, chez l'hypermétrope, en général, on augmente un tout petit peu plus la hauteur de la perfusion. Donc, on met 90-95 pour avoir une profondeur de champ. Maintenant, pour éviter la poussée vitréenne, c'est à moduler en fonction du père opératoire. C'est-à-dire, si vous avez une bonne chambre et que même si vous faites baisser la perfusion pour éviter donc la poussée vitréenne, eh ben, c'est très bien. C'est-à-dire, on peut baisser jusqu'à 40-45. Mais tout en sachant qu'il faut garder une bonne chambre antérieure. C'est important de pouvoir juger en fonction du père opératoire. Si vous avez le moindre risque, vous voyez que ça pousse, justement, il faut faire baisser cette perfusion. Au lieu de 90-95, quand vous êtes en faco, aspiration, il faut faire baisser jusqu'à 40-45. Mais si en même temps, si vous baissez et vous voyez que la chambre elle est trop plate, donc il faut pouvoir juger, rajouter du visqueux et pouvoir moduler la hauteur de la perfusion en fonction de l'état péropératoire. Voilà. Je pense que c'est clair. Une question au docteur Zuhairi. Excellente présentation. Question pour le docteur Zuhairi. Quelles précautions pour cette vitrectomie antérieure réalisé sans contrôle visuel, assez risqué, notamment sur des yeux prédisposés à l'effusion. C'est-à-dire là, il s'agit d'une vitrectomie postérieure et non pas antérieure. Bien sûr, on peut réaliser éventuellement une vitrectomie antérieure,
Mais à ce moment-là, c'est un autre but, c'est pour prévenir le glaucome malin. Ça se fait en fin d'intervention. Et à ce moment-là, avec le vitréotome antérieur, on va aller faire une néridectomie et ensuite une zonulectomie. Et ensuite, on rentre dans le vitré et on prend un petit peu de vitré de façon à établir une communication entre la cavité vitréenne et la chambre antérieure pour prévenir le glaucome malin. Là, par contre, on est dans la situation où nous avons une chambre antérieure qui est complètement plate et donc il y a une hyperpression et donc il va falloir pratiquer une vitrectomie postérieure. Donc, et le problème, c'est que les repères anatomiques chez l'ophtalme et chez l'hypermétrope, d'une manière générale, ne sont pas les mêmes par rapport aux émétropes ou les sujets myopes. Donc, comme vous le savez, en principe, la vitrectomie postérieure se fait à 4 mm chez le FAC. Là, chez le non-ophtalme, on va la mettre plutôt à 3,5, voire même 3 mm. Ça m'est arrivé de la faire à 2,8 mm lorsque la longueur axiale est vraiment très réduite. Bien sûr, ça se fait à l'aveugle. Il y a un autre problème. Il n'y a pas que le problème de la localisation pour tomber pile poil dans la pars plana, donc ne pas toucher l'iris, toucher la rétine et créer un décollement de rétine. Il y a un autre souci, c'est que le cristallin est volumineux à l'intérieur d'un petit œil. Et donc, le fait d'être positionné légèrement une position un petit peu plus antérieure fait qu'on court le risque éventuellement de toucher la face postérieure du cristallin qui bombe en arrière. Donc, il faut être prudent, il faut avoir l'habitude. Et on rentre à 3,5 jusqu'à 3 mm du limbe et on dirige notre vitréotome directement dans la direction de la papille optique. Donc, on s'imagine la papille optique et on se dirige vers cette zone-là pour éviter tout souci par rapport, bien sûr. Et la vitrectomie, on va enlever une toute petite quantité de vitré. Hein. Il ne s'agit pas de faire une vitrectomie large, etc. C'est une toute petite vitrectomie, une petite quantité. Et puis, après, on vérifie si on a une bonne chambre antérieure, on s'arrête. Si on n'en a pas, ben on enlève un tout petit peu et ensuite, on ferme notre sclérotomie. Voilà ce que je peux dire sur ça. On a bien vu le résultat sur la vidéo. Oui. La chambre antérieure, c'est bien Oui, c'est quelques petites secondes. Quelques petites secondes de vitrectomie. Oui. Une autre question, c'est Mohamed Zouhairi. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une indication à une chirurgie précoce de la cataracte chez l'hypermétrope, à partir de quelle valeur de flèche cristallienne? Merci. Non, il n'y a aucune indication de chirurgie précoce chez l'hypermétrope, d'autant plus que ce sont des yeux qui exposent à des complications. Maintenant, ça dépend bien sûr de la profondeur de la chambre antérieure, de l'état de l'angle iridocornéen, de la pression intraoculaire, de l'état du nerf optique. Il faut analyser tous ces éléments et si on a besoin pour régler le problème de la pression, de l'angle et du glaucome, on a besoin d'enlever le cristallin. Bien sûr, à ce moment-là, on va enlever le cristallin, mais sinon, il n'y a aucune indication pour enlever le cristallin. Bien sûr, la flèche cristalline va nous aider dans ces situations-là. Une flèche cristalline supérieure, en principe, à 80 microns, ça permet de prédire, à 800 microns, ça permet de prédire que l'approfondissement de la chambre antérieure aura lieu et on peut même prédire la quantité de profondissement de chambre antérieure qu'on pourra obtenir en post-opératoire. Mais par contre, la flèche cristallienne toute seule et une hypermétropie ne sont pas une indication à faire une extraction du cristallin. Alors, c'est pas vraiment une question, mais une petite réflexion de notre ami Hassan. Il faut aussi rappeler que très récemment, le traitement de la crise de GFA se fait par une injection sous conjonctivale de dexaméthasone, en plus des autres moyens cités intéressants. Bien sûr, c'est une question à laquelle j'ai répondu durant mon exposé. J'ai dit que l'utilisation des anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est quelque chose qui est très important au cours des crises aiguës de fermeture de l'angle, parce que contrôler l'inflammation, ça a été démontré, permet d'avoir un meilleur pronostic visuel
à supposons qu'on a réglé le problème de la pression intraoculaire et que la crise aiguë n'a pas détruit toutes les fibres nerveuses du nerf optique. Donc, les anti-inflammatoires, oui, on le sait, c'est quelque chose qui est absolument à utiliser et c'est très important pour contrôler l'inflammation et éviter l'apparition des signifiés antérieurs périphériques. Alors, merci à vous. On termine par les recommandations de ce webinaire. On commence par la réfraction de l'hypermétropie. Une acuité visuelle normale à 10 dixièmes n'élimine pas une hypermétropie chez l'enfant et l'adulte jeune, car compensée par l'accommodation. Donc, la règle du soin n'est pas applicable chez l'hypermétrope. L'intérêt de la réfraction subjective par méthode de brouilleur est le test duochrome rouge-vert pour lever le spasme accommodatif. Notre recommandation, si doute de spasme accommodatif chez le jeune, la réfraction sous cycloplégique. Et chez l'enfant, réfraction sous cycloplégique systématique. Recommandation concernant la correction de l'hypermétropie. La correction de faible et moyenne hypermétropie n'est pas nécessaire en l'absence de signes fonctionnels. Les facteurs de risque, c'est les antécédents de l'amblyopie, strabisme, amétropie, anisométropie, troubles oculomoteurs et amblyopie. Dans les cas contraires, la correction optique totale sous cycloplégique. Chez l'adulte, la prescription en une ou plusieurs fois, brouillage de la vision de loin, les fortes hypermétropies doivent être dépistées et corrigées pour diminution du risque de l'amblyopie et du strabisme. Il y a trois recommandations pour les lentilles de contact pour les petites hypermétropies. Les lentilles souples sont la meilleure indication. On respectait les règles de la prescription et de l'hygiène. Leur prescription est un axe médical. Recommandation concernant les lentilles de contact et forte hypermétropie. Faire la scioscopie impérative, surtout pour les enfants. Pensez aux lentilles rigides perméables au gaz et système oxydant. Pensez à associer les lentilles de contact et lunettes optiques pour préserver une acuité visuelle utile. Pensez à contrôler la pachymétrie et le champ visuel chez ces patients. Recommandation de hypermétropie et chirurgie réfractive. L'indication opératoire doit être bien pensée. Le bilan orthoptique est obligatoire, la réfraction objective jusqu'à l'âge de 50 ans, discuter avec le patient en préopératoire. Recommandation des implants FAC et hypermétropie, le sizing de l'implant par UBM et surtout OCTA pour une bonne taille et éviter les erreurs de vaulting, faire la microscopie spéculaire avant et après au suivi, une bonne réfraction avec et sans sciacole. Recommandation de l'hypermétropie et cataracte. Faire la gonioscopie plus ou moins l'UBM. Au cours de la chirurgie, faire l'IP. L'incision doit être étanche. Beaucoup de viscoux dispersifs. Faire le Photoshop et détecter la nanophtalmie. Recommandation de l'hypermétropie et hypertonie oculaire. L'hypermétropie, surtout forte, doit faire suspecter les différentes formes de microphtalmie et nanophtalmie. Pour cela, examen complet avec gonioscopie et mesures biométriques. Chercher les anomalies associées au segment postérieur. La gestion thérapeutique des hypertonies oculaires et les glaucomes est complexe et expose à des complications parfois dramatiques. Recommandation de l'hypermétropie, lentille de contact et COVID-19. Pas de contre-indication au port de lentille de contact ni à l'adaptation. Règles d'hygiène à respecter au maximum. Je termine avec les recommandations de l'association tunisienne de contactologie et de surface oculaire. Concernant l'exercice du contactologue au temps du COVID, se protéger son personnel, prise de rendez-vous, température à l'arrivée,
lavage des mains en solution hydroalcoolique, bavette pour le patient, équipement de protection pour le personnel, FFP2 pour le contactologue avec surblouse et gants propres à usage unique, désinfection du matériel après chaque malade, rassurer nos patients. Donc voilà les recommandations de ce webinaire. Je félicite d'abord Laboratoire Bionance, je remercie tous nos orateurs et je remercie l'assistance qui était nombreux et qui sont restés avec nous jusqu'à maintenant. Merci à vous, la séance est levée. Merci. Alors, juste avant de clore cette session, je voudrais juste répondre à une question du professeur Eleni Bouchra en ce qui concerne l'utilisation des solutions hydroalcooliques en contactologie. Il faut attendre que ça sèche avant de toucher les lentilles pour que ça n'irrite pas le patient. Et juste une petite remarque pour les lentilles en hypermétropie. Chez les patients qui supportent difficilement leurs lunettes d'hypermétropie, on peut les aider avec des lentilles de contact parce qu'on sait que les lentilles de contact, ça relâche un peu plus l'accommodation. Et pour terminer, je remercie tous nos orateurs. Je remercie les modérateurs, professeur Sursour et docteur Vulkiren. Et j'espère à la prochaine session des webinaires de Biolins. Et ça va porter sur les urgences en contactologie. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir.